toi la parole. Bonjour à tous. Au nom de Laval en transition, je vous souhaite la bienvenue à cette activité qui s'intéresse à la pollution numérique proposée dans le cadre des faits transition. Je me présente, Christina Zeidan, je suis citoyenne lavalloise de Chamézy et je serai votre hôte pour cette activité. Avec moi, Marianne Perrault m'assistera pour tous les volets questions citoyennes durant l'activité, ainsi qu'au niveau de l'assistance technique. Avant de passer à l'activité en elle-même et de vous présenter nos invités, un petit mot sur Laval en transition. Laval en transition, c'est un mouvement citoyen qui est né d'une volonté commune d'unir nos forces pour diminuer notre empreinte écologique, transformer positivement notre communauté et lutter activement pour renverser la crise climatique. Les valeurs qui guident les actions des citoyens et citoyennes de Laval en transition sont la participation, le plaisir, la démocratie, la communauté, le respect mutuel, l'imagination et l'audace. J'aimerais d'ailleurs mentionner que, inspiré par ces valeurs, Laval en transition désire rendre hommage au peuple autochtone qui, bien avant l'établissement des colons européens, était présent sur les terres où nous sommes rassemblés. Nous désirons souligner que ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Ganyegahaga, un groupe Mohawk, et qu'elles ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. J'en profite pour vous remercier de prendre part à cet événement qui est fait transition. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez à cœur d'entreprendre ou de pousser plus loin vos actions pour la lutte au changement climatique et pour la transition sociale et écologique, que ce soit individuellement ou collectivement. Effet Transition compte également de nombreux partenaires. Je tiens à les remercier pour leur participation. Donc, merci à nos partenaires leaders de la transition, soit la Ville de Laval et la Caisse Desjardins d'économie solidaire. Merci à nos partenaires de la web diffusion Cinequinox, qui propulse la plateforme regardezmoi.ca. Finalement, Effet Transition est possible grâce au soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Un merci spécial aux élus et amis des citoyens ayant contribué et aidé à la mise en place d'Effet Transition. C'est un événement par et pour les citoyens. Une liste exhaustive de tous les partenaires et amis est disponible sur le site effettransition.ca pour étancher votre curiosité. Merci également à tous les bénévoles qui ont donné leur temps et leur jus de cerveau pour rendre cet événement possible. Cette activité est enregistrée. Elle sera accessible sur la page regardezmoi.ca des archives d'Effet Transition. Cet accès est réservé aux détenteurs de passeports d'Effet Transition jusqu'au 12 juin 2021. Finalement, à tout moment durant l'activité, vous êtes invité à inscrire vos questions et commentaires dans la zone de discussion disponible sur la plateforme regardezmoi.ca. Vous pourrez également y contacter Marianne pour tout pépin technique ou problème. Nous répondrons en rafale aux questions à la fin de l'activité. Sachez cependant que les questions posées ne le seront pas nécessairement sur une base de premier arrivé, premier servi. Marianne sera votre voix. C'est le moyen que nous avons trouvé pour vous offrir une activité virtuelle qui soit le plus éco-responsable possible. Et dernière chose, sachez qu'une vaste majorité des invités est conférencier et que tous les animateurs participants à Effet Transition le font à titre bénévole. C'est notre première édition, donc on ne sera peut-être pas parfait cet après-midi ou lors des prochaines activités, mais on essaie, on apprend et on garde le sourire. Vous demandons donc d'agir dans le respect et la bienveillance dans toutes vos interventions aujourd'hui. Amusons-nous pour la prochaine heure et demie, qui débutera avec une brève présentation de nos invités. J'enchaînerai avec quelques questions préparées par mes collègues citoyens bénévoles à l'animation pour terminer avec les questions des participants qui nous écoutent. Donc, commençons. Et j'aimerais d'abord proposer un petit tour de table pour présenter chacun de nos invités. Donc, j'inviterai Max Pinsard de Low-Tech Montréal à se présenter ainsi que son entreprise. Oui, alors, merci. Moi, je parle au nom de plusieurs entités, si on peut dire. Les premiers, c'est les Shifters Montréal, qui ont été créés il y a presque 2 ans avec une trentaine de membres actifs. Et notre but, c'est de diffuser un peu les informations énergie-climat au Québec, produire des rapports localement et puis aussi participer à ce genre d'événement. Et juste pour vous dire, hein, on est membre donc des Shifters Monde, qui est une association principalement basée en France avec plus de 10 000 membres et qui est aussi présente dans plusieurs métropoles francophones, et qui elle-même est une association sœur du Shift Project en France, qui est une ONG qui milite aussi pour les mêmes buts, la décarbonation de l'économie. Et vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux. Et moi-même, donc, je suis aussi gérant du Low-Tech Lab Montréal. Et j'ai fait un doctorat en sciences de l'énergie et des matériaux il y a quelques temps.
Donc voilà pour ma présentation. Merci beaucoup, Max. Maintenant, j'inviterai Caroline Larocque du Conseil québécois des événements éco-responsables à se présenter. Bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Caroline Larocque. Je travaille pour le Réseau des femmes en environnement et le Conseil québécois des événements éco-responsables. Et au niveau du Conseil, en fait, on accompagne justement des organisateurs d'événements à rendre leurs événements plus éco-responsables, comme le nom l'indique. Puis, il y a un an, là, au début de la pandémie, les organisateurs d'événements ont dû se tourner sur un dissous et organiser des événements virtuels. Puis c'est là qu'on s'est vraiment intéressé à l'impact du virtuel, particulièrement au niveau des événements. Donc, on a monté des formations sur l'organisation des événements virtuels. Puis maintenant, on fait de la classification d'événements selon la norme du Bureau de normalisation du Québec en gestion responsable d'événements. Merci. Finalement, j'inviterai Lisa Sfrizo, artiste multimédia et scénariste, à se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Lisa Sfrizo. Je suis artiste en arts médiatiques, documentariste et aussi programmatrice de documentaires dans l'espace public depuis quelques années avec les projections citoyennes de Pont-Vieux. Donc, je suis une citoyenne lavalloise et comme plusieurs collègues là, en cinéma, en vidéo et en art, j'ai dû avec la pandémie rediriger beaucoup de mes activités en virtuel. Mais ma réflexion sur la pollution numérique et sur la sobriété numérique avait commencé bien avant ça. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais je vous souhaite une belle soirée, bel échange à tous. Donc, encore une fois, merci à tous de participer à ce panel qui va être sur le thème de la pollution numérique. C'est un sujet très large, donc on va commencer avec des questions plus spécifiquement sur qu'est-ce que la pollution numérique. Donc, en fait, c'est ma première question. Ce serait quoi un peu la définition de pollution numérique? Je vais me lancer. La pollution numérique, ça semble très abstrait. Dans le fond, le numérique, là, on a souvent l'impression que c'est justement virtuel, c'est dans le nuage, c'est pas vraiment présent. Donc, quand on l'imagine de cette façon-là, on n'a pas l'impression où on a peu l'impression que ça peut polluer. Par contre, la réalité, c'est que le numérique, c'est très matériel, donc c'est très concret au niveau en quoi c'est matériel. Dans le fond, c'est tous les terminaux qu'on utilise. Quand je dis terminaux, c'est les cellulaires, les ordinateurs, les télévisions, les consoles de jeux, puis de plus en plus, il y a tous les objets connectés. Il y a aussi tout ce qui a trait au réseau. Donc, on a tout le réseau filaire qui circule partout dans le monde, les tours, les routeurs, les modems. Puis, finalement, il y a tout ce qui est en lien avec les serveurs, donc les infrastructures, qui sont liées au centre de données. Donc, tout ça, c'est très matériel, c'est très concret. Puis, ça a des impacts à toutes les étapes du cycle de vie, donc des impacts environnementaux et sociaux. On va plus parler environnemental aujourd'hui, autant au niveau de la fabrication que de l'utilisation. Donc, nous, qu'est-ce qu'on en fait de ces objets-là? Puis au niveau de la fin de vie. Puis, je vais vous partager une diapositive qui va montrer quelques chiffres. Donc, on va essayer de chiffrer un peu l'impact du numérique au niveau mondial. Donc, c'est des chiffres de Green IT qui datent de 2019. Donc, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, ça représente 3,8% des émissions. Et ça, c'est 1400 millions de tonnes de GES. Au niveau de la consommation d'eau, c'est 0,2%. Ça peut paraître minime, mais c'est énorme pourtant. Donc, c'est 7,8 millions de mètres cubes d'eau douce. Puis là, dans le fond, je ne donne pas de données, là, mais il y a aussi beaucoup de problèmes liés à l'extraction des minerais qui sont des ressources qui ne sont non renouvelables et au niveau de la consommation d'énergie également. Donc, bref, le numérique, c'est vraiment concret. Donc, il y a vraiment des impacts qui sont réels. Ouais, c'est une super mise en bouche. Je peux donner des éléments complémentaires. Si j'y arrive. Donc, il y a un peu tout ce qu'on retrouve tout le temps. Hein. Les données qui circulent dans les câbles sous-marins, c'est
quelque chose quand même qui commence à être de plus en plus connu, mais qui n'était pas forcément connu avant. Les gens pensaient peut-être que l'Internet, ça passait forcément par satellite, je ne sais pas. En fait, il y a vraiment des énormes câbles sous-marins qui font aussi bah, beaucoup de pollution en fin de vie, qui sont aussi vraiment des infrastructures matérielles, comme disait, comme on a été dit avant. Et puis, on sait aussi qu'il y a les data centers, donc avec des serveurs, hein, comme ça a été mentionné, pour stocker tout Internet, entre guillemets. Ça prend voilà, des métaux bien réels. Ça, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, si je peux dire. Mais il y a quand même toute une autre partie qu'il faudrait, qui est bon de mentionner. Le fait, par exemple, que ça prend beaucoup d'électricité, comme chacun sait, et cette électricité pour la production, qui est quand même une phase énorme de l'empreinte numérique, bah, c'est 95% des centrales à charbon, parce que c'est des choses qui ont lieu en Asie. Donc, l'impact carbone que vous pouvez imaginer. Nos appareils sont jetés souvent après 2 ans et ne resservent pas toujours. Donc là, on a aussi un énorme problème. La moitié de ces appareils hein, sort en fait, du réseau légal. Donc même si c'est des déchets électroniques confiés à des instances, vous allez voir après hein, que ça ne se passe pas forcément comme ça. Et ça va aller polluer à l'étranger. On peut penser à des acides, des métaux lourds, des gaz, du plastique. Donc énorme problème aussi. Il y a plus de 40 métaux différents hein, dans la plupart des téléphones ou d'autres appareils qui sont extraits aux quatre coins du monde. Donc, on imagine très bien bah, notamment l'impact des transports de tous ces minerais qui vont aller converger en Chine, puis ensuite, ils vont aller bah, encore transporter en Europe, puis reconverger en Chine pour la fin de vie, etc. etc. Et puis, on peut parler d'autres pollutions. Finalement, la pollution visuelle aussi, bah, les écrans omniprésents. On commence à avoir des écrans géants un peu partout. J'ai vu il n'y a pas longtemps des camions qui avaient même des écrans animés quand ils roulaient pour les passants. Hein. Donc, on peut aussi parler de ce genre de pollution qui n'est pas matériel, si je puis dire, mais qui est quand même bien réel. Donc, en fait, on voit que c'est vraiment un problème plus grand qu'on le pense et c'est pas justement uniquement virtuel, c'est un enjeu vraiment qui touche la réalité concrète. Et donc, ça m'amène à demander à toi, Lisa, ta perspective en tant que citoyenne et artiste. Est-ce que donc la pollution numérique, ça, comment tu le définis? Est-ce que ça touche le domaine des arts médiatiques? Et si oui, comment? C'est sûr que moi, je suis touchée directement dans ma pratique professionnelle, mais je pense qu'on l'est tous en ce moment en temps de pandémie parce qu'on a tous recours au numérique et au streaming pour ne serait-ce que des rencontres virtuelles. Moi, dans mon cas, en tant qu'artiste en art médiatique, j'ai à faire transiter des données au quotidien. Donc, le défi, c'est vraiment pour moi, la pollution numérique, ben, elle est dans tout ce que mes collègues ont déjà nommé. Puis, elle est principalement là où je vois que moi, je peux avoir une emprise. Là, c'est vraiment dans les appareils que j'utilise, le choix de ne pas les renouveler trop rapidement et développer une conscience par rapport à la façon dont on utilise les données. Que ce soit en visionnant en ligne. Dans mon cas, j'ai à visionner énormément de films en ligne. Je peux faire le choix, quand je visionne quelque chose en ligne, de le visionner en temps réel, en pleine résolution, puis on va y revenir plus tard, mais on va voir qu'il y a un impact écologique à ça, qu'il y a un impact sur l'empreinte qu'on laisse quand on visionne à pleine résolution en streaming versus se dire ben, peut-être que ce film-là, je pourrais l'acheter, le télécharger et ne pas faire de streaming en ligne et aller vers ces grands data centers dont Caroline parlait tout à l'heure. Donc moi, c'est un questionnement au quotidien. À chaque fois que j'ai à utiliser dans ma pratique comme artiste en art médiatique, j'ai à utiliser beaucoup de dossiers partagés, que ce soit avec Google Drive ou d'autres serveurs, où j'ai des collègues qui vont me déposer des fichiers que je vais devoir aller chercher. J'essaie d'éviter ça en utilisant des espaces de stockage qui sont matériels, donc en moi-même, en me déplaçant vers un collègue avec un disque externe pour éviter de faire transiter des données. Après, ça demande des choix très personnels, mais je pense que ça peut être des façons là, de réagir à cette pollution numérique-là. Une fois qu'on en a pris conscience, on ne peut pas faire de magie puis la faire disparaître, mais on peut contribuer à l'atténuer, je pense. Bien, merci pour ta réponse. Honnêtement, c'est une vision intéressante, puis j'ai hâte à ce qu'on en discute plus dans la partie solution. Donc, peut-être pour enchaîner, aussi, je pense que quelque chose qui est revenu dans chacune de vos réponses, c'est un peu la physicalité des objets, donc les écrans, les déchets, vraiment le hardware en tant que tel. Donc, j'aurais aussi une question à vous poser, c'est quoi, à votre avis, les enjeux autour de la gestion de ces déchets électriques et électroniques que produit le numérique? J'aurais des petites choses à dire.
Donc, en fait, c'est vrai que j'ai pas mentionné, hein, mais j'ai été l'auteur principal d'un rapport sur le numérique au Canada et au Québec, son impact environnemental. Et quand on regarde un petit peu les chiffres, on se rend compte que effectivement, la fabrication et donc les émissions importées, les impacts importés comme ça de l'étranger, sont la principale partie de l'impact numérique d'un Québécois ou d'un Canadien. Et ça comprend aussi effectivement les déchets électroniques et électriques. Et malgré le fait que ces déchets, on a l'impression à chaque fois de les confier à des instances légales qui nous promettent qu'ils vont bien les recycler dans les règles de l'art, etc. Et ben en fait, quand on regarde un petit peu les dessous, on se rend compte que c'est pas du tout ça qui se passe. Alors là, on peut partir hein, d'Europe ou d'Amérique du Nord, donc des pays de l'OCDE, où il y a des consommateurs hein, qui vont confier leurs déchets voilà, en fin de vie un peu naïvement. Et malheureusement, il va y avoir beaucoup en fait, soit de détournement, alors que ce soit quand on les met dans la rue, ou que ce soit même des déchetteries parfois qui sont prises d'assaut par des gens qui veulent récupérer des métaux et qui vont les ferrailler, et puis vous voyez, ils vont laisser des carcasses de plastique vides. Donc ça peut finir directement in situ, hein, avec dans des espaces, dans des terrains vagues comme ça. Ça arrive. C'est parfois aussi dans des pays tampons, un peu comme l'Espagne en Europe, où il y a des populations parfois pauvres hein, qui vivent un peu de ça. Donc on a un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que même si c'est un peu contrôlé par les instances légales qui vont un peu protéger leurs déchetteries, bah c'est vraiment très très cher de recycler dans les règles de l'art, en respectant l'environnement localement. Et donc, c'est très, très tentant pour elles, ces instances, d'exporter les déchets, parce que ça va leur faire sauver de l'argent énormément. Et donc, malheureusement, on va retrouver des conteneurs. Donc, c'est des conteneurs hein, qui arrivent d'Asie, pleins de nouvelles marchandises. Et puis, quand ils repartent, malheureusement, ils sont vides. Donc, c'est un peu… les capitalistes nous disent, c'est dommage, hein, ils sont vides, ces conteneurs. Donc, ils les remplissent de déchets. Et après, ces déchets, c'est des conteneurs vraiment illégaux. Hein. On estime qu'il y en a plusieurs qui partent à chaque fois d'Amérique du Nord… comme ça, ils vont arriver plutôt vers Hong Kong. Alors là, il y a quelque chose qui est pas mal parce qu'on a un port franc à Hong Kong, c'est-à-dire qu'il y a pas de, on peut pas refuser un conteneur d'arriver à Hong Kong, et donc ils vont être stockés assez facilement finalement en passant de Hong Kong dans une campagne chinoise. Hein. Il y a vraiment des stocks comme ça de déchets électroniques assez importants, et malheureusement, ils vont finir en étant démembré. Et ce trafic à Hong Kong est aussi alimenté par des sites comme Alibaba, où on peut tout simplement trouver des gens qui vendent des déchets électroniques comme ça en libre service sur Internet. Donc c'est censé être illégal, hein, mais c'est une pratique courante sur ce genre de site. Et ils vont adhérer souvent dans une ville qui s'appelle Guiyu en Chine, où ils vont pour le coup être traités par des populations pauvres avec des acides, un peu de fortune, des pratiques vraiment pas du tout environnementales, c'est vraiment les endroits les plus pollués au monde qu'on puisse trouver, et ça impacte aussi beaucoup la santé des gens. Et puis, il y a aussi toute une partie Afrique, alors là, c'est des douaniers qui vont être assez corrompus, et donc ils vont pouvoir faire passer les déchets. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'on a l'impression qu'on leur vend du matériel d'occasion, donc du matériel qui va resservir, et donc on a plutôt bonne conscience quand on fait ça. Mais en fait, ce matériel, soi-disant d'occasion, n'est pas toujours de bonne qualité, n'est pas toujours en état de marche, tout simplement. Et donc, malheureusement, une fois qu'il va arriver en Afrique, il ne va pas toujours servir. Et même s'il va servir, ça va finalement que retarder de quelques années sa mort, à ce déchet. Et puis souvent, ils vont atterrir en fait, au Ghana, dans une banlieue de la capitale, d'Accra, où là, c'est carrément des enfants ou des populations très pauvres hein, qui vont les brûler, ils vont essayer de récupérer quelques métaux par-ci par-là. Donc, on a vraiment cet enjeu sur les déchets électroniques où, malgré le fait qu'on a des instances qui nous promettent qu'ils font bien les choses, il y a tout un réseau de trafic dans toutes les parties de la chaîne. Et chaque partie de la chaîne se reporte un petit peu la faute. Donc, c'est vraiment très, très compliqué à légiférer. Et quand on regarde un petit peu les détails, hein, on se rend compte que les agences de contrôle, etc., sont totalement en sous-effectif. Par exemple, ils ne peuvent pas contrôler tous les conteneurs, ou alors ils vont pas pouvoir contrôler tous les appareils parce qu'ils ne savent pas s'ils marchent ou pas, ça prendrait des tests. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très problématique. Honnêtement, c'est vraiment choquant parce que moi-même, avant que en fait, tu nous présentes tout ça, j'en avais pas du tout conscience. On se rend compte que rapidement, il y a une ignorance sur de la pollution numérique. C'est souvent un problème qui nous paraît invisible parce qu'on n'a pas nécessairement vu les conséquences de cela. Et ce qui est encore plus insidieux,
c'est l'invisibilité des problèmes, je dirais peut-être avec Internet, parce que beaucoup de gens ne savent pas que de simples choses comme une requête Google, ça consomme de l'énergie et des données. Donc, dans la même lancée, quels sont les problèmes et les enjeux autour d'Internet dont les gens n'ont pas conscience? Je peux y aller. Au niveau d'Internet, c'est ça, les impacts vont se retrouver à différents niveaux. Tu as parlé des requêtes Google, il y a les courriels également. Comme Lisa l'a mentionné un peu plus tôt, il y a aussi beaucoup d'impact au niveau de la vidéo, des vidéos en continu, là, du streaming. On parle de Netflix, de YouTube, ça peut être les vidéos qu'on va consulter sur les réseaux sociaux. On parle aussi de la web, des webconférences, un peu comme aujourd'hui. Donc, il y a des impacts aux vidéos en continu. Il y a une donnée de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, c'est une donnée qui a été mise à jour en décembre 2020, donc il y a quelques mois seulement, qui mentionnait que pour une heure de vidéo en continu, on émettait 36 grammes de CO2. Donc, je vais vous partager une autre diapositive. En fait, j'ai été chercher, encore là, avec l'Agence internationale de l'énergie, là, j'ai joué avec leur calculateur pour pouvoir vous démontrer que, il y a différents aspects à prendre en compte au niveau de l'impact, là, par exemple, de la vidéo. On va parler autant de l'appareil qu'on va utiliser qui va avoir un impact différent, de la qualité de l'image et aussi du réseau Internet qu'on va sélectionner. Donc, si on regarde les chiffres un peu, là, je vais essayer de vous guider pour pas que vous soyez mélangés. Donc, si on regarde au niveau du réseau Internet, donc on prend l'exemple qu'on utilise un téléphone et on regarde une vidéo en HD sur le 4G. Donc, si on le compare au fait qu'on utilise le Wi-Fi plutôt que le 4G, donc on est à la maison, on utilise le Wi-Fi. Si vous regardez le nombre de kilogrammes de CO2, vous les comparez, vous remarquez que le 4G émet beaucoup plus et donc est beaucoup plus polluant que l'utilisation du Wi-Fi. On peut aussi se poser la question au niveau de la qualité de l'image. Si on prend l'exemple, par exemple, qu'on regarde une vidéo sur l'ordinateur en HD sur le Wi-Fi versus l'ordinateur en SD, donc en basse résolution sur le Wi-Fi, encore là, on remarque que la basse résolution est moins polluante. Puis finalement, le choix du terminal que vous allez utiliser a aussi une grande différence, là. Si on regarde, par exemple, une télévision, qui sont d'ailleurs de plus en plus grosses, c'est sûr que, bon, une télévision en SD sur le Wi-Fi versus un téléphone en SD sur le Wi-Fi, encore là, plus l'écran est petit, là, moins on va émettre de gaz à effet de serre. Donc, je vous présentais ça pour que vous preniez conscience qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. C'est difficile à chiffrer parce que d'un à l'autre, on ne va pas utiliser les mêmes applications, les mêmes appareils. Mais on peut quand même remarquer quelques trucs là, qu'on va peut-être parler plus tard de gestes à poser pour diminuer notre impact. Si je peux juste bonifier ce que Caroline vient de mentionner au niveau d'utilisation des appareils, qu'on parle d'ordinateur ou du cellulaire, dès qu'on va sur des plateformes, par exemple comme YouTube, par défaut, notre définition va être à la meilleure résolution. Donc, va être en HD, donc qui est de qualité supérieure. Mais si on veut contribuer à émettre moins de gaz à effet de serre, bien, il faut nous-mêmes aller faire le choix de sélectionner ce que Caroline mentionnait, le SD pour définition standard, c'est l'équivalent de 480p sur YouTube. Donc, il faut vraiment réduire la résolution vidéo pour qu'on puisse, les chiffres que tu viens de montrer, Caroline, étaient vraiment intéressants parce qu'on voit vraiment l'impact concrètement, qu'est-ce que ça donne, cette utilisation-là du numérique. Puis quand on parle que les adolescents en moyenne vont consommer plusieurs heures de vidéos en ligne par jour, ben, on est nombreux là, sur la planète à faire de la consommation en ligne, fait que ça commence à être des chiffres qui sont importants. Là. Fait que juste y penser, mais on va y revenir en solution tout à l'heure. Ouais. Et
Effectivement, ouais, c'était pas mal ce petit comparatif donc, des terminaux et de la qualité. Et juste peut-être pour dézoomer donc, et avoir un peu l'image globale, qu'est-ce que ça représente toutes ces données, hein. En fait, on sait, enfin, vous savez peut-être déjà si vous avez lu les rapports ou des articles de presse, c'est la bande passante, c'est vraiment consommé à 85% par cette vidéo en ligne de streaming. Et par contre, faut faire un petit peu attention parce que il y a trois quarts des données, donc des data, hein, si on veut, d'Internet, qui restent dans les centres de données, en fait. Donc, ils vont pas dans la bande passante. Et donc, ce 85%, finalement, il concerne vraiment que la bande passante. Mais quand on regarde vraiment les données traitées partout, par exemple, sur Internet, on se rend compte que l'usage est beaucoup plus réparti entre le web, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, etc., et la vidéo. Les vidéos, c'est à peu près 30% si on fait le total. Donc, ça dépend de quoi on parle. Mais par contre, c'est vrai que les réseaux consomment beaucoup plus d'énergie et émettent beaucoup plus de carbone que les centres de données. Donc, ça fait qu'au total, la vidéo, c'est plus que la moitié, hein, de l'empreinte totale carbone d'Internet. Donc, dû aux données, en tout cas. Donc, c'est vraiment quand même le principal problème. Mais par contre, ces données, hein, c'est vraiment les données qui sont soit dans la bande passante, donc qui sont échangées, soit dans les centres de données, donc qui sont stockées. Mais ce n'est pas du tout toutes les données. En fait, il y a encore cette histoire d'iceberg. Hein. Vous voyez qu'il y a en fait des millions, hein, zettabytes, c'est des milliards de terabits, de teraoctets. Et donc, il y en a vraiment des milliards de teraoctets comme ça qui sont aussi stockés dans nos appareils. Contrairement, il y en a presque 6 fois plus, hein, qui sont stockés dans nos appareils que dans les serveurs. Donc, c'est quand même énorme. Et puis après, il y a toutes les données aussi qui sont créées, hein, qui ont été créées un jour, mais qui n'ont pas forcément été sauvegardées. Et donc là, on est vraiment sur un univers démentiel, avec 850 milliards de teraoctets, d'après Cisco, hein, qui ont été créés en 2020-2021. Et donc, c'est vraiment un univers dont on n'a pas conscience, qui ne sont pas forcément sauvegardés, mais qui vont quand même induire une consommation, soit d'électricité, soit d'usage, etc. Alors, c'est quoi, en fait? C'est quand même beaucoup de data qui sont créées par des machines. On peut penser à un Airbus, je ne sais plus combien ça produit de données par heure, mais c'est juste gigantesque. Il y en a très peu qui sont sauvegardés, mais voilà. Mais ça montre un peu quand même la démesure. Et justement, hein, ces données créées ont été multipliées par 8000 depuis entre 2005 et 2020. Donc, c'est quand même un chiffre énorme. Et il pourrait encore faire x50 d'ici 2035. C'est beaucoup moins que le trafic, mais le trafic, c'est quand même assez impressionnant, la progression. En 10 ans, entre 84 et 94, on avait multiplié par 2, par 2000, hein. C'est quand même énorme. Et puis ensuite, vous voyez, en 2004, on a une progression encore plus exponentielle, où on arrive à des millions de teraoctets par mois qui sont échangés sur Internet. Et puis ensuite, on fait encore x100 en 2014. Et en 2020, on atteint un chiffre encore plus démentiel, hein, donc 250 millions de teraoctets par mois. Et en 2025, on pourrait atteindre cette fois le milliard de teraoctets par mois. Donc c'est quand même encore un fois 25. Vous voyez un petit peu que ces bulles-là progressent tout à fait exponentielles. Mais donc en fait, le x100 est quand même bien en dessous du x8000 que j'ai mentionné. Donc c'est pas la bande passante qui progresse le plus vite. Et c'est pas non plus les centres de données qui progressent plus vite. Donc, il faut faire un petit peu aussi attention à toutes les données qu'on crée partout sur n'importe quel réseau. Et bien sûr, hein, l'enjeu, ça va être donc de limiter ce nombre de données du coûte que coûte. Mais ça, je pense qu'on va en reparler un tout petit peu après. Donc, je vais laisser la parole. Mais merci beaucoup à tous pour cette présentation. Vraiment, après avoir fait un tour d'horizon, j'imagine, surtout pour les gens qui nous regardent, qui n'en avaient pas conscience, c'est vraiment un électrochoc. Et moi, ça me rappelle une anecdote, parce que souvent, on se fait dire que le numérique, c'est bon pour l'environnement. Comme je rappelle d'être allé dans un magasin que je nommerai pas il y a quelques mois, et de m'être fait dire, on va vous envoyer votre facture par courriel, parce que nous, on ne fait pas de facture papier. C'est meilleur pour l'environnement, notre magasin, on a ça à cœur. Donc, après avoir vu tout ça, est-ce que le numérique, ça peut être positif pour l'environnement? Bonne question. oui, il y a des aspects positifs. C'est sûr que, tu sais, en ce moment, ce qui me vient en tête, il y a quand même beaucoup d'aspects au niveau social
qui sont positifs. Mais si je me concentre sur l'aspect environnemental pour commencer, peut-être un exemple, au niveau du Conseil québécois des événements éco-responsables, on a comparé un événement virtuel à, on a dans le fond calculé tous les impacts de cet événement-là, puis on l'a comparé à ce même événement-là aurait eu lieu en présentiel, donc avec tous les déplacements générés. Et dans notre calcul, on n'a même pas calculé la gestion des matières résiduelles, les déchets qui ont été générés. On s'est vraiment concentré sur les gaz à effet de serre, puis on a remarqué que l'événement virtuel avait beaucoup moins d'impact qu'un événement en présentiel à cause des déplacements. Dans ce cas-ci, les participants étaient autant au niveau local, là, par exemple, si l'événement avait eu lieu à Montréal, il y avait des gens à Montréal qui pouvaient prendre le transport en commun, mais dans ce cas-ci, il y avait des participants au niveau national, donc un peu partout au Québec, voire international. Donc, rendu là, les déplacements, c'est sûr que au niveau des gaz à effet de serre, ça génère beaucoup. Donc, c'est toujours du cas par cas, là, surtout au niveau des événements, là, qu'est-ce qui est mieux pour l'environnement, l'un ou l'autre, mais il y a quand même beaucoup d'aspects à prendre en compte. Mais je tiens quand même à mentionner des aspects positifs qui sont sociaux, surtout en temps de pandémie, où on ne peut plus vraiment côtoyer nos proches. Le fait d'avoir le numérique, c'est presque nos seuls contacts humains. Là. Je suis contente de voir des visages aujourd'hui. Donc oui, ça, c'est quand même très, très important, très précieux. Puis aussi, toute la quantité là, phénoménale d'informations là, qu'on peut trouver sur Internet. C'est sûr que de plus en plus, il faut faire attention à l'information qu'on retrouve. Là. Il faut avoir un bon jugement critique. Mais en temps de crise, c'est important d'avoir accès à de l'information. Donc oui, ça, c'est certainement positif. Si je peux me permettre de bonifier ce que Caroline vient de mentionner, il y a aussi la question, le numérique permet quand même, malgré tout, malgré les émissions de gaz à effet de serre que ça génère, permet quand même de rejoindre les gens à l'extérieur des grands centres urbains. Si je pense ne serait-ce que juste les activités culturelles, dont certaines ont été redéplacées en ligne, ça permet de rejoindre des gens à l'extérieur des grands centres urbains, que ce soit Montréal, Québec, même Trois-Rivières, mais dès qu'on sort un peu, souvent les gens n'ont pas accès à certaines informations, à certaines activités culturelles en ligne, puis il y a quand même un aspect positif à cette une espèce de vivre ensemble numérique là, qui a été développé en temps de pandémie, mais il faut quand même rester aux aguets parce que les impacts sont grands. Mmh. Ouais, je suis aussi d'accord, hein. Il y a des aspects... surtout sociaux, sociétaux qui peuvent être intéressants. Après, sur l'environnement, j'avais déniché une publication hein, qui parlait de ça. Il y en a plusieurs, mais il y en a peu qui s'intéressent vraiment aux effets indirects. Et donc, celle-là, c'était de demander est-ce que finalement on va réduire la consommation énergétique grâce au numérique ? Parce que, bah, bien sûr, comme on l'a dit, hein, avec Caroline, le fait par exemple de ne pas se déplacer et d'être en Zoom, même ce soir, permet évidemment d'économiser de l'essence, par exemple. Mais ces auteurs-là, en fait, ont un peu regardé le total, hein, si on peut dire, et ils ont trouvé que finalement, quand on prend en compte tous les effets, bah, le numérique augmente probablement notre consommation électrique, en tout cas d'énergie. Et il n'y a pas du tout de découplage de la croissance économique, en tout cas, grâce au numérique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'effets indirects, en plus des effets bénéfiques directs, notamment à des effets rebonds. On peut penser par exemple au covoiturage. Bon, bah, les plateformes numériques nous permettent de faire du covoiturage assez simplement, bon, un peu moins au Canada, mais en Europe, c'est quand même très, très développé. Et donc, ça va encourager les gens à prendre des covoiturages un peu n'importe quand, à vraiment covoiturer très, très souvent. Et finalement, au lieu de diminuer la consommation d'essence due au fait qu'on ait plus de personnes dans les voitures, et pas avec cet effet rebond que les gens se déplacent plus qu'ils ne seraient déplacés avant, on va finir par augmenter au total la consommation d'essence. Donc, le numérique n'a pas permis, sur ce côté-là, d'économiser. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc là, on parle vraiment de la consommation d'énergie, hein, mais comme il y a une corrélation directe entre les dégâts environnementaux et la consommation d'énergie, ça donne quand même une petite idée. Mais de toute façon, je mettrai quand même un bémol parce que c'est impossible à quantifier, dans le sens où pour le faire correctement, il faudrait avoir en sorte deux futurs ou deux présents, je ne sais pas. Un futur où il n'y aurait pas de numérique et puis un futur où il y aurait du numérique comme maintenant.
Et comme ça, on pourrait vraiment comparer sur des bases comparables. Mais vu que c'est impossible à faire, on peut vraiment pas. On peut juste essayer de faire des modélisations. Mais c'est, le numérique intervient vraiment dans tous les aspects de la vie maintenant. Il y a beaucoup, beaucoup d'effets indirects, dont l'effet rebond n'est qu'un exemple très simple. Et donc, c'est vraiment impossible de dire est-ce qu'il y a, un aspect positif ou négatif. Il faudrait se placer dans une réalité alternative, si je puis dire. Et puis, pour mettre un petit peu d'eau dans mon vin, hein, je dirais quand même qu'il y a, un aspect positif quand on parle encore des voitures. C'est par exemple que bah, les véhicules routiers ou même aériens comme les avions ont été optimisés en termes de frottement, par exemple, ils consomment moins de carburant en termes d'efficience, grâce à des simulations numériques, grâce à tout ça, à des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus avec des outils numériques. Et donc, c'est quand même une avancée substantielle hein, qui en fait n'est sûrement pas permise sans numérique. Et on peut mentionner, par exemple, d'ailleurs, je crois que c'est dans le papier que je mentionne. Bien, merci beaucoup. Je pense que vos réponses nous ont vraiment permis de faire un bon tour d'horizon de la question. Maintenant, on va peut-être entrer avec des questions plus sur le sujet des habitudes en ligne. Donc, la première question, ce serait sur, je pense, la première chose qui vient en tête quand on pense au numérique, et qui concerne la majorité des gens, c'est la consommation de documents numériques. Donc, est-ce que la pollution numérique d'utiliser des documents virtuels est égale à la consommation de papier? Et si oui, est-ce qu'il y aurait même un seuil où c'est mieux de passer d'un médium à l'autre? Alors, bah, je ne sais pas si quelqu'un voulait. Sinon, j'avais un truc aussi sur ça. Hop. Donc, effectivement, hein, donc c'est une question qui est assez prégnante. On peut parler déjà du livre versus du livre électronique, ou du Kindle, si on veut. Et en fait, il y a des études hein, qui ont essayé de voir ça. Bon. A priori, on se pourrait se dire que bah, le Kindle il est mieux parce qu'il peut stocker une quantité quasi limitée de livres, alors que bah, des livres, on sait bien que c'est fait à partir d'arbres, hein, donc ça va poser problème a priori. Mais apparemment, ce Kindle serait, ou cette tablette, en tout cas liseuse numérique, serait bénéfique seulement à partir de 20 à 50 livres environ, parce qu'il faut quand même produire cette liseuse électronique. C'est à peu près 160 kg CO2 équivalent, juste pour la fabrication. Et donc, c'est quand même assez énorme parce que c'est pas sûr que chaque utilisateur de ce genre de liseuse bah, arrive à ce quota de 50 livres. Hein. Donc, on est quand même sur quelque chose de tout à fait substantiel. Après, bien sûr, ça dépend de la grosseur du livre, hein, ça dépend de plein de choses, mais c'est un peu une moyenne. Donc voilà, c'est pas certain que ça soit mieux. Même si une liseuse, bien sûr, ça consomme pas du tout d'énergie, ça c'est clair, mais c'est vraiment la facette de fabrication qui est prédominante. Il y a d'autres rapports qui ont essayé de se pencher sur la question, notamment dans l'entreprise, en se disant bah, est-ce que finalement la dématérialisation par le numérique a permis de réduire la consommation de papier dans l'entreprise ? C'est une question toute bête. Et en fait, bah, pas du tout. La consommation de papier aurait doublé en 20 ans, malgré l'arrivée du numérique. Et après, je reviens un peu sur ce que je disais avant, hein, c'est impossible de savoir est-ce que c'est le numérique ou pas qui a fait ça. Parce que, bah, il faudrait se placer dans une réalité alternative dans laquelle on n'aurait pas développé le numérique et on aurait observé la consommation de papier. Mais on peut quand même avoir une petite idée hein, parce de la faute du numérique ou pas. Parce que bah, le numérique a apporté avec lui la facilité extrême d'imprimer, c'est-à-dire la présence d'imprimantes un peu partout. Donc, c'est clair que quand c'est plus facile d'imprimer, bah, on va plus le faire. Et surtout, l'accès à un nombre illimité de documents qui fait qu'on a de plus en plus envie d'imprimer, parce que avant, au lieu d'avoir, avant on avait, je sais pas, 10 documents pour un projet, puis maintenant on en a 100, et donc sur ces 100, bah, on va avoir envie d'en imprimer quelques-uns, parce que malgré justement les écrans omniprésents, il y a quand même beaucoup de cadres ou de gens en général qui veulent un peu reposer leurs yeux, qui sont un peu à l'ancienne école, et qui veulent vraiment avoir un papier pour qu'ils puissent surligner avec leurs mains, etc., etc. Et donc, malgré voilà, le fait d'avoir le numérique, bah, ça ne veut pas dire la fin du papier au moins de là. Donc, on a vraiment un empilement ou vraiment un développement parallèle hein, des deux filières papier plus numérique. Et on n'a pas du tout de remplacement, malheureusement, ouais. Contrairement à ce qu'on aurait voulu. Donc, on a un petit problème. Et il y a, bah, pour répondre à la question, hein, il y avait un chiffre qui avait été énoncé, c'est que si on lit un document en général sur un écran pendant plus de 30 minutes, et bah, en fait, c'est mieux de passer au papier parce qu'au-delà de ces 30 minutes,
parce que la consommation du terminal, hein, souvent un ordinateur, va supplanter la consommation de la fabrication du papier. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait répondre à cette question ou... Parfait. Ben, merci, Max. C'est ça, donc c'est assez contre-intuitif, justement. Oui. Je m'excuse, Christina, il y a des questions, justement, qui ont émergé. Puis là, c'est super intéressant. Puis vu que j'ai l'impression, justement, que chaque bloc on avait dit, justement, que les questions seraient en rafale à la fin, mais j'ai envie de vous en poser quelques-unes tout de suite qui émergent, donc, des discussions. Il y a Thierry qui demande, si on génère autant de données qui ne sont pas stockées, l'impact carbone vient-elle de la capacité grandissante des serveurs à traiter ces données? J'espère que la question est claire. Je pense qu'elle s'adresse davantage à Max. Alors, si on génère autant de données, l'impact carbone des serveurs, c'est ça? C'était ça la question? Un petit peu, je m'étais mis sur mieux aux questions que mes enfants ne soient pas trop entendus en même temps. Dans le fond, ce que Thierry demande, c'est si on génère autant des données... qui sont pas stockées, en fait. Donc, tu parlais tout à l'heure, là, justement, de ces données qui, finalement, ne sont pas stockées, ne sont pas utilisées, ne sont pas sauvegardées, l'impact carbone vient-elle de la capacité grandissante des serveurs à traiter ces données-là? Ah, OK, je crois que je comprends. Ouais. Alors, je n'ai pas vraiment étudié la corrélation entre les deux, dans le sens où je sais qu'il y a vraiment... C'est 850 zeta-octets de données qui sont probablement créés par an. Mais après, lesquels font l'objet finalement d'un traitement computationnel, si on peut dire. Et est-ce que c'est lié au serveur? Ça, je n'ai pas pu élucider. Je ne suis pas sûr que Cisco communique beaucoup là-dessus. En tout cas, si elles ne sont pas stockées, elles ne vont pas aller dans les serveurs, c'est sûr. Mais après, elles ne vont pas forcément être stockées dans les serveurs. Si on parle de données créées par des industries, dans des machines, ça va souvent être stocké localement. On peut penser à l'Airbus, hein, que je mentionnais. Ça va plutôt être local, tout ça. Mais c'était plutôt pour souligner le fait que ces données vont... le processus de création de ces données va de toute façon utiliser de l'électricité ou de l'énergie en général. Hein, donc, c'est un peu ça qui pose problème. Et ça va aussi contribuer à l'obésité de données qui ne cesse de progresser. Donc non, je ne pense pas que ce soit vraiment lié à l'amélioration de la taille des serveurs, etc. Si c'est ça la question. Je pense que ça y répond, en tout cas de ma compréhension, je pense que ça y répond quand même bien, justement, dans la capacité où justement cette question-là est quand même pointue. Puis j'en profite aussi pour peut-être vous partager des commentaires justement en lien avec ce que vous mentionnez, notamment Caroline et Lisa, sur les effets positifs. Il y a Alexandre qui dit « Laval en transition existe grâce aux réseaux sociaux qui a permis de mobiliser et rassembler plein de citoyens. » Fait que voilà. Et Dom Lebeau justement qui mentionne un autre bel effet rebond de ce soir. « On sensibilise pour changer certains de nos comportements. » Alors voilà, je tenais à vous les mentionner. Puis je te laisse continuer, Christina. À tantôt. Merci, puis je voulais dire merci au public pour ces questions. On aime ça quand il y a de l'interaction. Donc, j'ai continué avec les questions. Puis en fait, Maxime s'adressait à Lisa. Ça va venir un peu dans la continuité de l'autre question. Tu sais, on a parlé de culture du papier, culture du numérique. Et toi, tes outils, c'est des outils numériques, puis tu fais du multimédia. Donc, est-ce que tu sens une pression aller vers une utilisation particulière ou une autre? Est-ce que tu veux ou veux pas changer tes instruments de travail? Ton micro est fermé. Avec le micro, ça va aller mieux. Il y a une pression qui est très grande, pas seulement pour les gens qui travaillent en art médiatique ou en vidéo ou en cinéma, mais je pense pour tout le monde, de par la publicité, de par l'omniprésence de la publicité pour les nouveaux appareils qui peuvent toujours faire plus et plus et encore plus, pour le dernier iPhone dont la caméra va être meilleure, qui va faire qu'on n'aura plus besoin de s'acheter d'appareils photo, etc. Moi, personnellement, je travaille en art médiatique, mais j'ai un MacBook Pro de 2013. Quand je dis ça à mes collègues, personne ne me croit, mais c'est vrai. Parce que, en fait, j'en prends soin et parce que je fais l'exercice de ne pas faire certaines mises à jour pour reculer l'obsolescence programmée de mon appareil. Mais ça demande du travail. Ça demande de la recherche, ça demande du travail, ça demande du temps. Et souvent, quand on a un appareil qui commence à aller moins bien,
on sent la pression de le changer parce que les autres autour de nous l'ont changé. Mais il y a aussi que parfois, on ne sait pas quoi faire, mais il suffit par moment juste de contacter certaines personnes qui réparent des ordinateurs ou des téléphones qui peuvent comme redonner une deuxième vie à nos appareils. Puis on repart à neuf avec notre ancien appareil en évitant un déchet. Tout à l'heure, Max parlait des déchets qui se retrouvent en Asie ou en Afrique. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager puis de travailler en Afrique, au Mali, au Togo au début des années 2000 et de voir déjà à l'époque, puis on était au début du numérique, des montagnes de déchets électroniques, des montagnes d'ordinateurs, des montagnes de déchets qui venaient de l'Amérique, qui venaient d'ailleurs, qui ont été envoyés, qui arrivaient en container et là-bas, qu'on tentait de revendre, qu'on tentait de rafistoler. Fait que moi, ça fait longtemps que cette conscience-là, je l'ai, mais je pense que dans la pratique, la pression pour changer nos appareils, elle vient vraiment des pairs, de la publicité. Mais après, c'est à chacun de voir comment on arrive à y résister. Moi, personnellement, je travaille en multimédia, en cinéma, mais je viens tout juste de m'abonner à Netflix. Je refusais de m'abonner à Netflix parce que je refusais de regarder des films en streaming. Mais là, j'ai eu à le faire pour des raisons professionnelles parce que je devais voir certains films qui n'étaient que sur cette plateforme-là. Mais je pense qu'il y a des gestes comme ça qui peuvent être carrément des gestes de revendication là, pour demander à ce que collectivement, on ait des pratiques qui soient plus saines pour l'environnement. Fait que moi, ça s'inscrit dans ma pratique à moi. Fait que c'est sûr, je ne pense pas que tous mes collègues qui font de la vidéo ont la même conscience de ce qu'on peut générer dans nos pratiques à se transiter des données, mais moi, je l'ai et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à l'avoir. Oui, ça vient me chercher ce que tu dis parce que j'ai aussi des vieux appareils et j'ai souvent le droit à des commentaires sur l'importance de devoir les changer quand pourtant c'est encore fonctionnel. Puis je pense, en parlant de cette fameuse pression, je pense que ça vient toucher peut-être quelque chose encore plus insidieux qui est l'obsolescence programmée. Donc peut-être j'aimerais vous entendre sur le lien entre l'obsolescence programmée et la pollution que font nos appareils électroniques justement. Est-ce que, avant de poser ta question, Christina, je peux te couper le momentum? J'aimerais vraiment poser la question de Marion parce que j'ai vraiment un beau momentum pour la poser. Marion demandait, parce que vous aviez tantôt parlé justement de ces piles de déchets un peu partout. Max, t'en as parlé, Lisa aussi. Marion se demandait, qu'en est-il pour les produits visés par la REP au Québec, le programme ARPE, A-R-P-E? Est-ce qu'ils finissent aussi à Hong Kong ou en Afrique? Là, c'est tout le programme justement avec Recycler mes électroniques, donc le REP. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous seriez en mesure de nous donner de l'information, à savoir où est-ce que ça s'en va? Le seriez-vous? Ou sinon, il faut les appeler pour le savoir. Moi, personnellement, je ne le sais pas, donc je vais laisser les experts répondre. C'est le programme REP, c'est ça? Oui, exactement. Donc, ARPE, je sais qu'il y a... j'imagine que tu es en train de chercher. Donc, c'est ça, alors... Ouais, c'est ça, il y avait une publication qui avait été... C'est ça, ils ont des points de dépôt, justement, au Québec, notamment pour récupérer tout le matériel informatique. Je sais aussi qu'il y a plusieurs organismes aussi, je pense entre autres, naturellement, je vais manger leur nom, là, mais Incertec à Montréal aussi, qui fait de la revalorisation. Mais là, pour la question de Marion, il y a justement ce programme-là, Recycler mes électroniques. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ouais, je référerais à un article de Québec Science qui est publié tout simplement Où vont vos déchets électroniques? Et il parle de ce que j'ai dit et il parle aussi de ce programme d'association pour le recyclage des produits électroniques, apparemment. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a un peu deux côtés de la chaîne, quoi. Ce côté, donc, peut-être avec RPE, là, qui nous dit, tous vos déchets sont collectés, vous inquiétez pas. Et puis de l'autre côté, on a le reste de la chaîne, et puis on les voit quand même partir, tout simplement, du Canada, ces conteneurs. Donc il y a quand même un problème de raccord entre les deux, quoi. C'est ça que je voulais souligner. J'ai pas forcément les détails après de comment ça marche, mais malheureusement, je pense que ce genre
de programme est probablement le début de ce qu'il faut faire, mais n'est pas assez contrôlé, n'est pas n'est pas tout simplement efficace pour empêcher le trafic de déchets. Ce que j'entends donc, Max, de ta réponse, c'est qu'il y a probablement un travail qui est fait justement pour qu'il y ait du recyclage, puis on est probablement sur une voie intéressante à pousser plus loin puis à perfectionner, mais ça ne veut pas dire que justement, il n'y en a pas qui sont réchappés puis qui se prennent la direction, comme tu le mentionnais tantôt, de l'Afrique ou même de l'Asie. Oui, bah, je confère avec ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, mais c'était y a quand même beaucoup de trafic, même par des instances légales qui ne font pas forcément des choix tout à fait éclairés ou qui ne protègent pas assez leurs déchets. Je connais pas forcément par cœur le cas du Québec, mais quand on compare à d'autres cas, on peut quand même estimer que le Québec n'est pas totalement différent hein, de ces autres cas qui peuvent avoir lieu aux États-Unis, qui peuvent avoir lieu en Europe. Et quand on regarde par contre ces cas-là, la filière déchets électroniques mais clairement en sous-effectif au niveau des contrôles, au niveau des pratiques, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a autant de déchets qui finissent à l'étranger. Et avec l'obsolescence. Oui, Caroline. peut-être que je pourrais rajouter que qu'est-ce qui explique en partie ça, c'est que la technologie en ce moment ne permet pas de recycler, d'aller rechercher les métaux dans les produits électroniques. Déjà, les métaux ont perdu beaucoup de valeur une fois qu'ils sont dans un appareil, mais tu sais, d'aller chercher le peu de métaux dans un cellulaire, c'est minuscule, il y en a plus de 40, comme Max le parlait dedans, plutôt. Donc, c'est vraiment difficile au niveau technologique, puis on n'est pas encore rendu là. Ça ne veut pas dire qu'on ne le sera pas un jour, mais pour l'instant, on a de la difficulté à aller les recycler. Voilà. D'où le fait qu'on va pouvoir parler d'obsolescence programmée. Christina, je te laisse reposer ta question. Merci beaucoup pour vos réponses. Et merci, Marianne. Puis encore une fois, merci aux gens qui posent ces questions intéressantes. Donc, on embarque sur peut-être la question de l'obsolescence programmée. Puis en fait, quel est le lien qu'on peut expliciter entre l'obsolescence programmée et la pollution numérique? Alors, je crois que c'était un truc que j'avais. Ouais. Si j'arrive à m'en sortir. Hop. Donc, vous voyez mon écran, ouais, c'est ça. Donc, oui, l'obsolescence, en fait, généralement, on aime bien distinguer entre deux types d'obsolescence. Il y a l'obsolescence technique, qui va vraiment dire que c'est, par exemple, une mise à jour logicielle qui va empêcher, on peut penser au cas d'Apple, hein, qui avait fait des mises à jour comme ça et qui empêchait l'appareil de fonctionner correctement, qui le ralentissait notamment, ou du matériel, tout simplement, hein, qui va tomber en désuétude, comme c'est le cas des ampoules, mais il y a aussi beaucoup de cas dans les électroniques. Mais apparemment, ce serait un peu plus compliqué de dire que c'est les méchantes entreprises qui veulent faire du profit et qui font exprès de faire de l'obsolescence technique. D'après une autre présentation que j'avais vue, c'était un peu plus compliqué, mais y a quand même cette réalité qui est là, hein, parce que le système marche comme ça, il faut qu'il y ait des flux qui se renouvellent, donc c'est quand même problématique. Et puis il y a l'obsolescence psychologique, donc là les constructeurs vont aussi énormément jouer dessus, et c'est un peu tout ce qui est notre impression de devoir remplacer nos équipements tout le temps. Alors c'est soit par pression sociale, soit par pression au niveau du design, de l'esthétique, etc. Des choses comme ça. Et donc ces deux effets combinés vont clairement créer une obsolescence assez importante. Juste pour donner des chiffres, hein, on remplace à peu près nos téléphones intelligents tous les 2 ans maximum, en moyenne. Les ordinateurs, c'est 4 ans, et puis les télés, c'est peut-être 6-8 ans, mais on est quand même à peu près une bonne moitié, voire moins de ce qu'il faudrait les garder. Et donc, même au niveau technique, hein. Donc voilà, on n'est pas du tout dans les clous. Ça va vraiment créer plus de pollution, bien entendu, puisqu'il y a plus de flux, etc., qui vont produire des déchets, mais aussi devoir fabriquer tous ces nouveaux produits. Et encore une fois, hein, si on regarde l'impact environnemental du numérique d'un Canadien ou d'un Québécois, bah, c'est vraiment, vraiment la phase de fabrication. Donc le fait qu'on remplace tout le temps ces terminaux qui est vraiment super important. Comment on pourrait limiter
Ce serait d'abord d'interdire, par exemple, des offres de cellulaire à 0$ quand on s'inscrit dans un Vidéotron ou n'importe quoi. Bah, arrêter de proposer ce genre d'offre. Hein, il faut vraiment être un saint pour refuser cette offre-là. Essayer d'annuler et puis de légiférer contre les pubs agressives hein, qui nous obligent un petit peu aussi à racheter en hackant notre cerveau, si je puis dire. Et puis changer un petit peu le paradigme dans le sens l'image d'avoir du neuf, c'est cool. Essayer de peut-être d'implémenter une autre image. C'est réutiliser qui est cool. C'est avoir du vintage, je ne sais pas. Donc voilà, ce serait peut-être un peu les pistes que je vois. Donc ouais, encore une fois, merci pour cette réponse. Puis donc on a parlé beaucoup des appareils, mais j'aurais aussi parlé peut-être de la consommation d'Internet. Donc on sait qu'il y a une manière d'utiliser cet appareil qui est moins polluante que d'autres. Et est-ce qu'il y a des manières d'utiliser Internet dans notre vie de tous les jours qui est moins polluante que d'autres? Oui, donc oui, c'est une des bonnes nouvelles de ce soir. Tout à l'heure, je parlais des vidéos en continu. Par rapport à ça, comme vous l'avez peut-être deviné, réduire la qualité de l'image. Lisa tantôt mentionnait qu'on peut sur YouTube diminuer la qualité de l'image vraiment simplement. Sur Zoom aussi, c'est possible dans les paramètres. Puis une fois qu'on le fait, ça reste pour toutes les autres rencontres. C'est possible aussi sur Teams de le faire. Donc, vraiment aller fouiller dans les paramètres pour réduire la qualité de l'image. Puis c'est pas vrai là, que l'image est moins belle. Là, sur un écran d'ordinateur, ça se remarque pratiquement pas. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, arrêter le démarrage automatique sur les réseaux sociaux des vidéos. Donc, des fois, il y a une vidéo qui s'ouvre automatiquement, puis là, on a comme l'économie d'attention, là, ça attire notre attention, on finit par le regarder, même si ça ne nous intéresse pas, on est comme... on est hypnotisé par cette vidéo-là, mais sur Facebook, encore là, si on va dans les paramètres, on peut désactiver le démarrage automatique. Donc ça, c'est des petits gestes qui peuvent avoir de l'impact positif. Favoriser le réseau filaire ou le réseau Wi-Fi. Éviter, quand on est, par exemple, dans l'autobus, d'aller utiliser des vidéos, là, tout ce qui consomme beaucoup d'énergie, d'utiliser le cloud là, lorsqu'on est sur le 4G. Au niveau de l'utilisation de YouTube, ne pas aller écouter de la musique sur YouTube. Donc, YouTube, c'est une plateforme où on regarde du contenu. Donc, si on veut écouter de la musique, plutôt, il faudrait télécharger légalement de la musique et stocker nos chansons directement sur notre ordinateur. Je crois qu'il y a aussi comme tout un aspect là, de changer certaines habitudes, de peut-être réussir à diminuer le nombre d'heures d'écoute par rapport aux écrans. Et je peux peut-être te parler aussi là, au niveau du travail, des webconférences ou des rencontres, des réunions en ligne qu'on peut avoir au travail, surtout en ce moment, là, dans la dernière année, qu'on en a beaucoup. Ça peut être épuisant physiquement même là, d'être tout le temps en réunion, mais on peut quand même avoir diminué notre impact, par exemple en fermant nos caméras lorsqu'on ne prend pas la parole. On peut, quand que c'est une rencontre un à un, de simplement utiliser le téléphone plutôt que de se voir de temps en temps. Donc, le téléphone va avoir moins d'impact que la webconférence. Puis, essayer de diminuer la durée là, de notre réunion. Puis, je pense, en gros, là, c'est vraiment le concept d'être raisonnable là, dans nos usages du numérique. Si Lisa, tu voulais ajouter des choses. Non, mais ça va complètement dans le sens de ce que Caroline vient de mentionner. Fait que si tu veux compléter, Max. Okay. Effectivement, donc il y a quelque chose que j'aime bien aussi quand on parle de sobriété, c'est de relocaliser. Donc ça peut être avoir des serveurs locaux, que ce soit à Montréal ou même chez soi. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on va tout de suite avoir la conscience de la matérialité de ce qu'on utilise. Si j'ai mon site web ou mes usages hein, qui sont vraiment stockés sur un disque dur que j'ai chez moi, et bah, tout de suite, je me rends compte bah, déjà du nombre de données que ça représente. C'est quelque chose de physique hein, donc, que je peux toucher, etc., qui fait sens. Donc, et en plus, ça participe aussi à l'autonomie, tout simplement, pour ne pas dépendre des GAFAM. Il y a un truc qui est pas mal parce qu'on a beaucoup parlé de diminuer la qualité de la vidéo et j'utilise notamment une extension
qui permet, alors que sur YouTube malheureusement, hein, mais c'est déjà pas mal, de mettre toutes les vidéos en une certaine définition automatiquement, donc sans avoir à chaque fois à cliquer, etc. etc. Ça s'appelle Turn Off the Lights, donc je sais pas si les gens je crois que ça existe aussi sur Chrome d'ailleurs, donc ça peut être une solution comme ça. C'est pas la seule fonctionnalité qu'elle fait cette extension, mais c'est bien pratique en tout cas pour mettre tout en 144p bien sûr, et ainsi diminuer énormément sa consommation de YouTube. Un truc qui est pas mal aussi, c'est de pas mettre de pieds joints. C'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément conscience, et c'est un peu dur. Même parfois, quand on envoie un mail, un courriel un petit peu officiel, on aime bien quand même mettre la pièce jointe parce qu'on se dit, bon, bah, la personne, elle va pas être trop désorientée. Mais c'est quand même beaucoup mieux à chaque fois de mettre, alors soit sur WeTransfer si vous avez un gros fichier, soit sur un Dropbox par exemple, si vous avez un petit fichier. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez une pièce jointe, bah, la pièce jointe va stocker dans votre boîte courriel, elle va se stocker dans la boîte courriel à qui vous envoyez, voire toutes les boîtes courriel à qui vous avez fait répondre à tous. Donc vous imaginez que le fichier est stocké et répliqué comme ça sur plein de serveurs différents, alors que quand on le met sur un Dropbox, bah, il est juste quelque part, et puis vous donnez juste l'adresse vers ce serveur. Donc c'est quand même beaucoup mieux, a priori. Donc même pour les petites pièces jointes, j'aurais tendance à dire voilà, de faire ça, et surtout aussi éviter les signatures de courriel qui sont avec plein d'images, etc., qui consomment parfois beaucoup, en fait, parce qu'à chaque fois que vous envoyez un courriel, bah, vous avez ces 4-5 images qui s'envoient aussi, c'est quand même problématique. Mais bon, ça, c'est des petits trucs, par contre, hein, c'est des petits pas. Sinon, il y a aussi on l'a déjà mentionné, hein, mais des extensions pour bloquer les vidéos. Il y a un truc qui est pas mal, c'est mettre des favoris aussi. Ça nous évite de tout le temps rechercher des pages web. Alors, je vois des gens parfois qui vont sur Google, alors telle adresse, ils tapent le nom, puis après ils vont cliquer sur le premier résultat Google. Mais c'est quelque chose qu'ils font, par exemple Facebook, ils vont taper Facebook sur Google, enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Et donc, mettez, si vous allez tout le temps sur le même groupe Facebook, bah, mettez-le en favori, comme ça vous avez juste un clic à faire, et puis ça vous évitera aussi, il y a un effet indirect, de tomber sur la page d'accueil de Facebook avec tout le fil d'actualité qui va vous entraîner vers tout sauf ce que vous voulez faire. Et donc, quand vous mettez en favori le truc que vous voulez, bah, vous allez y accéder directement et pas tomber dans ce travers-là. Sauvegarder les choses importantes localement, dans le sens... si vous avez l'impression que c'est quelque chose, vous allez tout le temps y retourner, vous avez de grandes chances d'y retourner, bah pourquoi ne pas le sauvegarder sous forme de documents, sous forme de je ne sais pas quoi, plutôt que bah, tous les jours ou toutes les semaines retourner sur la même page web. C'est quand même dommage. Mais ça, c'est vraiment des petits pas. En fait, j'aurais tendance à dire que ce qui marche vraiment, c'est vraiment les changements systémiques. Donc, d'essayer de militer pour un numérique plus sobre, en s'opposant aux GAFAM, parce qu'on voit bien avec les exemples qu'on a donnés avant, hein, par exemple le fait que les vidéos se lancent toutes seules sur Facebook pour l'économie de l'attention, et bah, c'est quelque chose qui n'a pas été fait au hasard, c'est quelque chose qui a été fait par Facebook, par les GAFAM, et donc on voit bien qu'ils ont le côté environnemental n'est pas du tout leur priorité, et ni le côté sobriété de données. Donc, si on ne milite pas un petit peu pour un numérique plus sobre avec des changements systémiques, avec des changements politiques, etc., etc., bah, faire des petits pas comme ça, mettre des vidéos en 144p, malheureusement, ça ne suffira pas. Quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important de limiter ça. Et c'est pour ça aussi que je promets aussi les low-tech, par exemple, qui sont une réponse à ce genre de sobriété. Militer pour un numérique qui répond plus à nos besoins plutôt que créer des désirs X ou Y. Aussi pour compléter, quand les gens achètent des nouveaux appareils, quand on parle de portables ou de cellulaires, je sais qu'avec Apple, c'est comme ça, je ne sais pas du côté des PC, mais maintenant, on est redirigé directement vers le cloud. Donc, d'emblée, si on ne va pas changer nos paramètres, si on ne prend pas le temps d'observer comment notre appareil gère les données, systématiquement, on va s'abonner à Office 300, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, Office en ligne. On va tout mettre nos dossiers en ligne qui vont être dirigés automatiquement sur le cloud et le stockage de nos données va être systématiquement en transit constamment, tandis qu'on peut faire le choix de garder, tout à l'heure, Max parlait de garder nos serveurs localement, mais de garder nos données hyper localement en décidant de les stocker sur un disque externe. C'est aussi une pratique, même si certaines personnes disent que les disques externes sont de plus en plus désuets, ben c'est quand même une façon d'éviter tout le stockage sur le cloud qui devient systématique avec l'achat de nouveaux appareils si on ne prend pas le temps
d'aller vérifier les paramètres de nos appareils. Ouais, je suis vraiment super d'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Ça fait un peu dinosaure de dire ça, mais par exemple, avoir sa musique localement en MP3 sur son disque dur, alors qu'on écoute toujours la même, plutôt qu'avoir un abonnement Spotify. Et bon, c'est vrai qu'on aura moins de vie de nouveauté, hein, X ou Y, ça nous fera moins découvrir de titres. Mais au moins, voilà, on n'est quand même pas retourné non plus à l'âge de pierre en faisant ça. Et c'est quand même beaucoup moins problématique. Pour donner un autre exemple très concret aussi, par exemple, quelqu'un qui adore un livre audio qui dure 3 heures sur YouTube, ben peut-être que ça vaut la peine de le télécharger localement et d'avoir le fichier numérique sur son ordinateur plutôt que de le réécouter 10-15 fois. Fait que c'est des petites choses comme ça, mais qui, en bout de ligne, mises bout à bout, je pense, peuvent changer la donne si on est de plus en plus nombreux à s'y mettre, évidemment. Mais naturellement, vos réponses en ligne, pas mal vers là où la présentation s'est terminée lentement, c'était vers les solutions. Donc, pour continuer en fait sur cette lancée, j'inviterais peut-être Lisa à, si tu voulais nous parler davantage de ce que tu fais dans ta pratique quotidienne pour diminuer ton empreinte numérique, parce que c'est quelque chose que tu as vraiment beaucoup à cœur. Oui, ben en fait, j'en ai déjà nommé quelques exemples au fil de la conversation, mais je peux le redire. Ben moi, c'est sûr que dans ma pratique, c'est vraiment, je tente de garder mes appareils le plus longtemps possible. Donc, de pouvoir travailler avec mes appareils le plus longtemps possible. J'ai un MacBook Pro 2013 que j'ai limité dans les mises à jour du système d'exploitation au système d'exploitation Sierra qui date de 2016 parce que je ne voulais pas devoir changer toutes mes applications et me retrouver à travailler avec des applications en ligne. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que j'ai mis du temps pour consulter des collègues, pour aller lire, pour être sûre de voir... à quel moment j'atteins l'obsolescence programmée avec mes applications, avec mes appareils. J'ai un iPhone 7, je travaille en vidéo, tout le monde a des iPhones récents autour de moi, mais moi j'ai un iPhone 7, je me suis fait proposer plein de cellulaires à 0$ que j'ai refusé parce que finalement c'est jamais 0$. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin? C'est la question à laquelle je ramène tout le temps dans mes usages. Le questionnement que j'ai tout le temps, c'est est-ce que j'ai réellement besoin de ce nouvel appareil? Est-ce que je peux continuer de travailler et faire le même travail sans utiliser le cloud? Si oui, je le fais. Est-ce que je peux travailler, militer auprès de mes collègues avec qui je travaille en collaboration pour justement qu'on dépose des fichiers sur un Dropbox plutôt que de s'envoyer des choses en pièces jointes constamment? Oui, c'est possible, puis c'est facile à mettre en place. Donc, ce sont tous des petits gestes, en fait, qu'on peut mettre en place dans le quotidien. Moi, je fais partie des dinosaures qui ont encore des DVD à la maison. Donc, les vieux films que maintenant on peut trouver sur Netflix, bien, il y en a plein que j'ai en DVD chez moi, puis j'ai encore un lecteur DVD qui peut les lire. Je suis peut-être un dinosaure à ce niveau-là, mais par contre, bien, j'utilise pas le réseau pour regarder des films en ligne sur Netflix ou d'autres plateformes numériques. Donc après, ça devient comme des choix de consommation. On parlait tout à l'heure d'habitude, mais il y a aussi une question de choix de consommation. Je pense que si on se met pas tous à ralentir, ce que Max nommait tantôt, comme statistiques qui vont grandissantes, des émissions à effet de serre avec le numérique, ça va juste se multiplier dans les prochaines années. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix là, de devenir de plus en plus sensible. Fait que c'est ça, ben, moi, c'est vraiment de ralentir de retarder l'obsolescence programmée de mes appareils, d'utiliser du stockage local, de consommer le moins possible de films en ligne. Déjà, c'est quelques solutions pas pires. Là. Je pense qu'on pourra poursuivre la discussion après tous ensemble. Bien, je pense que dans cette même lignée, peut-être plutôt à l'inverse, on a parlé on parle beaucoup des solutions individuelles en ce moment. Peut-être je voulais poser aussi la question, est-ce que les GAFAM, qui sont au final responsables pour beaucoup de ces problèmes-là, mettent de l'avant eux-mêmes des solutions? Alors, je crois que c'était un truc aussi que j'avais préparé. Donc, alors effectivement, comment répondre les GAFAM, hein, donc Google, Amazon principalement, vont pas mal nous dire qu'ils vont agir au niveau des serveurs, parce que c'est quand même là où ils stockent toutes nos données.
Et donc, ils vont vous dire qu'ils ont amélioré le fameux PUE, donc c'est-à-dire le rapport entre l'énergie qu'ils utilisent pour refroidir leur serveur et l'énergie qui est vraiment utile pour faire des calculs, etc. Et donc, ils vont atteindre quasiment 1, donc c'est-à-dire l'énergie qu'ils dépensent, c'est que pour la computation, c'est pas du tout pour le refroidissement. Donc, comprenez-vous, on est vraiment très propre et puis on est bientôt carboneutre. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, hein, parce qu'il y a quand même toute l'énergie pour faire les calculs, hein, qui est toujours là. Donc, quand bien même on aura fait un PUE de 1, et c'est-à-dire aucune chaleur qui est perdue ou dépensée, il y aura toujours ce problème. Et puis, il y a bien sûr aussi la fabrication des data centers, des serveurs, toute l'électronique qu'il y a dedans, qui est proprement gigantesque. Donc, il faut peut-être un petit peu relativiser. Et puis surtout, on assiste vraiment à de l'éco-blanchiment plus. Hein. Google qui nous annonce qu'elle est maintenant neutre en carbone, mais pas pour 2020. Elle est neutre en carbone depuis 2007. Alors en fait, ça veut dire qu'ils ont émis beaucoup d'émissions, hein, depuis 2007. Mais en plantant des arbres par-ci par-là, ils ont réussi à compenser ces émissions. Incroyable. Et ils tablent sur un objectif zéro carbone, hein, d'ici 2030. On sait bien que le fait de planter des arbres ou de compenser les émissions, c'est un petit peu discutable, hein, parce qu'on ne compense jamais des émissions. Les émissions, quand elles sont faites, elles sont faites. Et puis la plantation d'arbres, quand c'est de la monoculture, hein, c'est vraiment très compliqué. On va peut-être pas rentrer dans ce sujet trop environnemental et biologique, hein, mais voilà, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et puis surtout, Google est totalement hypocrite, hein, et voire schizophrène, puisque il y a quand même beaucoup d'études qui nous montrent que ils sont totalement en lien avec des géants des énergies fossiles, comme Total, Schlumberger, etc. etc. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui vont être un peu dans leur lignée de techno-progressisme, aussi de transhumanisme. Ça, c'est vraiment très présent dans les dirigeants de Google. Et donc, c'est vraiment des financiers qui vont leur donner beaucoup de cash, qui vont rentrer un petit peu dans cette lignée. Et voilà, je vous donne plusieurs articles, hein, pourquoi Google finance des organisations climato-sceptiques, etc. etc. Donc, on ne comprend pas forcément à quel jeu ils jouent. C'est probablement le jeu de l'éco-blanchiment, mais voilà, ça fait. C'est pas très. J'ai l'impression que le bilan total des GAFAM est quand même assez négatif sur ce côté-là. Donc, c'est assez, disons, triste quand on y pense. Puis, je pense que face à cela, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société pour diminuer notre empreinte numérique? Est-ce qu'il y a des réflexions à avoir? Et si oui, lesquelles? Je sais peut-être Caroline ou Max, aviez des choses à dire par rapport. Veux-tu commencer, Max? Vas-y. OK. Mais en fait, je pense que je vais parler au niveau d'une réflexion, peut-être. Je pense qu'on a besoin d'une réflexion qui va être individuelle, mais aussi une réflexion qui va être collective, là, en lien avec nos besoins par rapport au numérique. Là, Max l'abordait rapidement tout à l'heure. Là, autant dans l'innovation que dans nos habitudes au quotidien, il faut faire la différence entre c'est possible de le faire, donc je le fais. Et je le fais parce que ça m'est réellement utile. C'est le même exemple, c'est un petit exemple, là, mais des vidéos sur Facebook qu'on regarde, mais que finalement, ça ne nous intéresse pas vraiment, mais on les regarde parce qu'ils sont là. Donc, ça, c'est un petit exemple, mais il y a aussi au niveau de l'innovation qu'il y a une réflexion à faire par rapport à ça. Donc, je pense que la première étape, ça sera toujours de vraiment prendre conscience de nos habitudes, puis d'analyser nos utilisations pour pouvoir choisir les bons gestes de réduction. Puis là, je parle autant au niveau individuel qu'au niveau des entreprises, puis au niveau d'une municipalité, par exemple. Si je peux me permettre de poursuivre sur cette lancée, je pense qu'il y a aussi un travail à faire. Tu parlais, Caroline, de faire un travail individuel, mais aussi collectif. Le travail collectif doit se faire aussi au niveau des municipalités, mais au niveau de l'État aussi. Quand on regarde les sommes astronomiques qui ont été dépensées là, ces dernières années pour favoriser la transition numérique de la culture, mais aussi des entreprises pour amener tout le monde vers le numérique, puis qu'on regarde la multiplication des gaz à effet de serre dans les années à venir, personne n'a étudié cette corrélation-là encore. Mais il y a clairement un lien
entre les dépenses énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre que toute cette transition numérique-là va apporter, tant en entreprise qu'au niveau du milieu culturel. Si je donne que l'exemple de la politique culturelle québécoise adoptée il y a quelques années, la nouvelle politique culturelle québécoise qui veut amener la culture partout et énormément en numérique, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que davantage de streaming et de streaming. Donc, il y a comme une corrélation aussi à faire dans nos engagements environnementaux comme municipalité, comme État, comme citoyen, puis dans nos pratiques et dans nos habitudes, que ce soit habitudes culturelles, habitudes en entreprise, habitudes personnelles. En fait, j'avais décomposé aussi la question un peu en deux. Que faire, hein, finalement? Il y a d'abord lutter contre l'obsolescence programmée. Donc là, je reprends un petit peu mon point de que c'est quand même un problème politique, un problème de société. Et donc, lutter contre le renouvellement logiciel, c'est aussi faire pression sur les décideurs. C'est-à-dire faire du lobbying citoyen, que ce soit au niveau municipal ou national. Il faut vraiment faire plier comme ça les grands Apple, etc. Ou même les plus petits, hein, parce que sinon, le renouvellement logiciel se fera. C'est pas juste en... Il y a certains citoyens qui arrivent à un peu contourner, mais souvent c'est des gens qui s'y connaissent ou qui connaissent des gens qui s'y connaissent pour contourner ça. Mais c'est vrai que le citoyen lambda est un peu démuni face à ce monde technique, si je puis dire. Et donc il faut vraiment mettre des lois un peu dures en place pour faire pression. Et essayer d'envisager une durabilité prolongée des produits, hein, avec une conception qui soit un peu plus... écologique, si on peut dire, une remise à neuf qui soit faite dans la majorité des cas, avec éventuellement du reconditionnement, par exemple, hein. Et concevoir vraiment des produits pour qu'ils puissent être démontés, pour qu'ils puissent être reconditionnés même aussi, pour qu'ils puissent être recyclés s'il faut, qu'ils limitent un peu leur dégradabilité et puis leur phase de fin de vie. Pour l'instant, on n'a pas du tout pensé à ça, les constructeurs ne pensent pas à la fin de vie assez. Et les produits ne sont pas faits, à part certains, comme par exemple le Puzzle Phone, c'est un téléphone qui est fait en Scandinavie, je ne sais plus où, mais c'est un peu mieux que le Fairphone, parce que c'est vraiment un téléphone qui va avoir plusieurs parties et puis qui va être démontable un peu comme quelque chose de très simple, hein, comme un jouet. Et donc, on va pouvoir vraiment remplacer une pièce par une pièce. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et sinon, comme je le disais depuis le début, mais finalement, il faut le matraquer. La principale empreinte d'un Québécois, c'est vraiment au niveau de la fabrication. Et donc, il faut vraiment qu'il évite de remplacer ses équipements électriques et électroniques. Et donc là, par exemple, s'il achète du neuf, si vraiment il doit acheter du neuf, essayer de privilégier peut-être des marques qui sont réputées pour être robustes, etc. etc. Donc, il y a des marques... Alors ça, c'est compliqué. Il y a des marques qui ont une bonne note. On peut penser au rapport de Greenpeace, par exemple, sur le Green IT, ils donnent des bonnes notes à certains constructeurs parce qu'ils ont tendance à être transparents sur leurs chiffres. Mais c'est le cas d'Apple, par exemple. Ils ont tendance à dire, nous, on émet tant de CO2 par iPhone, on utilise tel matériau. Mais c'est vrai qu'Apple, après, il y a aussi le côté obsolescence logicielle. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec eux. Mais il y a quand même des marques qui émergent. Bon, parfois qui font ça aussi pour du marketing, hein, on ne se le cache pas, mais qui font des efforts comme ça de concevoir un petit peu plus éco-vertueux, si on peut dire. Donc, pourquoi pas privilégier ces marques-là si vraiment on doit acheter neuf. Favoriser aussi le pro-perso, c'est pas mal. Donc, si on a des appareils qu'on utilise au travail et à la maison, ça permet de ne pas dédoubler les choses, notamment un ordinateur, par exemple, ou un téléphone. C'est des petits trucs comme ça qui peuvent permettre aussi de diminuer son empreinte, mais je reviens que pour moi, le point majeur, c'est vraiment le point politique, faire pression sur les décideurs. Et justement, ça m'amènerait à la dernière question de ce panel, qui est une question beaucoup plus politique, parce qu'on fait cette présentation dans le cadre de l'aval en transition. Donc, en fait, j'aimerais savoir, d'après vous, c'est quoi les trois modifications réglementaires que la ville de Laval peut faire pour lutter contre la pollution numérique au niveau municipal, mais aussi au niveau national, si vous avez des réponses à ce niveau-là. Je peux peut-être me lancer avec une première idée.
tout à l'heure, je parlais que la première étape sera toujours d'analyser. Je pense que ça commence aussi par là. Là, si on parle d'une municipalité, idéalement, il faudrait que la municipalité puisse faire un bilan, analyser leurs propres pratiques, autant au niveau de l'utilisation de tous leurs équipements, de la façon que les employés, les élus les utilisent, les renouvellent, la réparation, la mise à jour. Donc, tu sais, déjà là, il faut commencer à se questionner par rapport à ça. Aussi au niveau de l'éco-conception là, des services numériques, les services aux citoyens. Donc, il faut toucher à ça. Puis, idéalement, il faudrait que cette analyse-là mène vers un plan d'action à l'interne pour réussir à diminuer nos impacts en tant que municipalité. Puis l'avantage, c'est que on sensibilise les employés, on sensibilise les élus, et les élus, une fois sensibilisés, vont pouvoir avoir un rôle là, dans les prochaines réglementations au niveau de la ville, puis on l'espère au niveau national et plus. Là. Donc, je crois que ce serait peut-être une première étape. Je pense qu'un dialogue aussi entre, tu sais, si on parle au niveau national, un dialogue ne serait-ce qu'entre le ministère de l'Environnement et les autres ministères et les municipalités sur qu'est-ce qui peut être mis en place. Maxime nommait plein de solutions tout à l'heure là, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer l'obsolescence programmée, mettre des barrières à des compagnies comme Apple, on ne peut pas le faire comme municipalité. On a plus de chances d'être capable de le faire comme nation, par exemple, comme pays. Si on parle de, si au niveau du Québec, on commence à mettre des freins, au Canada, on en met aussi, on peut s'allier à d'autres et là, arriver à des résultats. Mais on peut, entre-temps, comme Caroline mentionnait, déjà mettre en place très localement, dans les municipalités, de prendre le temps juste de poser un regard sur nos pratiques, sur nos habitudes, pour contribuer à minimiser les gaz à effet de serre qu'on peut générer, ne serait-ce qu'à l'intérieur là, du personnel interne. Ce serait déjà énorme si les municipalités et la fonction publique au sens large le faisaient. Ouais, moi je suis vraiment d'accord dans d'autant qu'on parle de choses politiques, donc c'est parfait. Et moi, j'avais fait mon petit florilège hein, de solutions de top 3, si on peut dire. Ce serait de réfléchir au niveau municipal, par exemple, de mettre en place un système de collecte efficace des appareils en fin de vie pour justement limiter les histoires de déchets, qui soit vraiment, d'une part, à éviter que les consommateurs jettent trop vite leurs appareils, donc surtout pas les anticiper, parce que c'est un peu ça aussi le danger, hein, quand on met des filières très efficaces, on dit les circuits à rien, jetez vos choses, ici c'est important. Malheureusement, les gens ils ont peut-être tendance aussi à se dire il faut que je jette le plus possible. Donc, faut faire un peu attention, mais peut-être faire des contrôles via des taxes, je ne sais pas, il y aurait probablement plein de choses à faire, mais mettre des filières qui soient efficaces, mais pas trop incitatives dans les effets délétères. Et car c'est vraiment, je pense qu'il y a aussi peut-être un côté, je ne sais pas si c'est législatif ou philosophique, mais de considérer les déchets électroniques comme des déchets dangereux, en fait. Tout simplement parce qu'on a tendance à dire, oui, c'est des déchets, il y a des choses dedans qui ne sont pas très belles à voir, mais bon. Et on ne les voit pas vraiment comme des déchets au niveau d'un déchet radioactif ou d'autres choses comme ça. Mais il faut bien voir qu'on est un peu à ce niveau-là, hein, quand on parle de ce qu'il y a dedans. C'est quand même très problématique. Donc, peut-être rentrer ça dans les lois, je ne sais pas si ça existe déjà, en tout cas, mais si c'est déjà au niveau dangereux, le mettre au niveau dangereux plus, hein, je ne sais pas. Mais voilà. Après, d'abord, ne pas nuire, donc essayer de limiter le tout techno. À chaque fois que, de plus en plus maintenant, on a besoin d'un téléphone intelligent pour tout et rien. J'ai des mille exemples dans mon quotidien, par exemple. Ça, c'est énervant. Et donc, je pense qu'aussi au niveau municipal, on peut un peu lutter contre ça. Dire arrêtez de penser que les gens ont tous un smartphone, arrêtez de penser qu'ils veulent tous l'utiliser pour n'avoir tout et rien, et arrêtez de faire des applications pour tous les usages, parce que c'est pas possible. Il faut vraiment se limiter dans tout ça, parce que sinon, ça fait passer le numérique vraiment pour indispensable. Et donc, on rentre dans une logique ultra délétère. Limiter le contenu électronique, vraiment, on voit aussi beaucoup de
de choses qui s'électronisent. Je prends l'exemple tout bête, hein, au Subway, avant, il y avait des choses, où on, des distributeurs de boissons, c'était mécanique, où on mettait son truc et puis ça coulait. Et puis maintenant, on a un super distributeur avec un écran tactile où on peut choisir plusieurs parfums, ça va les mélanger, ça va peut-être envoyer aussi une notification Facebook, je sais pas quoi. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose qui me paraît totalement aberrant. On est sur un distributeur assez simple, quand même. Et encore une fois, on rentre dans ce paradigme de toujours vouloir vendre de l'électronique partout, de mettre des écrans devant la tête des gens. Et ça me paraît salvateur, en tout cas, de préférer des options mécaniques plutôt que électroniques ou numériques. Limiter les écrans géants, bon, j'en ai déjà un peu parlé. C'est vrai que quand on regarde aussi les rapports, c'est important parce que diminuer la taille des écrans ou même annuler les écrans géants comme ça, ou en tout cas privilégier les projecteurs plutôt que les écrans qui émettent, eux, de la lumière, bah c'est vraiment super important parce que ça va limiter l'indium, par exemple, qui est utilisé dans les écrans, qui est un gros problème au niveau des métaux critiques. Et puis bah aussi le fait que ça attire l'œil, etc. etc. Et on peut penser par exemple à la pub, hein, qu'on voit dans le métro notamment, qui s'agirait quand même de limiter fortement. Et puis bah, encourager les gens à se rencontrer en réel. Bon, c'est un peu pas Covid compatible, hein, si on peut dire, mais il va falloir quand même apprendre à le refaire. Parce que sinon, on est toujours sur des forums type Facebook, mais ce serait pas mal de redécouvrir le forum à la gréco-romaine, hein, la place du village, où on peut un peu discuter et puis avoir des espaces communs. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire dans des villes, hein. Ça favoriser des espaces de rencontre comme ça, ou des agoras où les gens peuvent se rencontrer, peuvent discuter, peuvent débattre, je sais pas. Qui favorisent les plateformes de partage d'objets, donc qui sont parfois un peu numériques, c'est vrai, mais qui vont quand même permettre de mutualiser des choses plutôt que de devoir acheter du neuf, je crois. Et puis le troisième, c'est un peu ce que je disais aussi avant, c'est et qui a déjà été dit d'ailleurs, c'est impacter sur les GAFAM, leur faire payer des impôts par exemple. Donc là, on en rentre plutôt au point national, voire fédéral, hein. Mais c'est vraiment de dire pourquoi ils payent pas d'impôts, ces gens-là, ils font énormément de profit, donc il n'y a pas de raison. Il y a vraiment une exception qui est faite dans le monde au niveau des GAFA, mais c'est vraiment un peu dérangeant. Ça n'a pas encore fait jurisprudence, je ne sais pas, mais c'est quand même des entreprises qui font énormément de milliards de bénéfices et qui ne payent pas beaucoup d'impôts. Donc voilà, ça me paraît tout à fait salvateur de faire ça. Et puis, bien sûr, au niveau international, il y a aussi la question du trafic des déchets électroniques, hein, qui, comme je l'avais mentionné avant, hein, qui nécessiterait probablement d'avoir des instances un peu onusiennes qui s'intéressent à ça. Puis au niveau des déchets, aussi de la récupération, on parlait de qu'est-ce qui peut être fait localement, là, au niveau municipal. Je sais que sur le site de la ville de Laval, il y a une section page verte qui nous permet d'identifier à quel endroit on peut ramener nos déchets électroniques. Moi, j'ai fait l'exercice d'aller voir à quel endroit j'en génère très peu de déchets électroniques, mais j'en génère quand même un peu. Je suis allée voir pour l'exercice, là, pour ce soir, où est-ce que je peux les ramener. Et on m'envoie principalement chez Bureau en gros. Donc, est-ce que Bureau en gros, dans sa chaîne de récupération des électroniques, atterrit dans les containers dont Max parlait tout à l'heure? Je ne peux pas le dire, je ne le sais pas. Mais je ne peux pas, certainement pas garantir que Bureau en gros, dans sa façon de récupérer les électroniques, le fait de façon qui favorise la transition écologique puis qui va diminuer les gaz à effet de serre, ça, j'en suis pas certaine du tout. Fait qu'il y a quand même un travail, je pense, d'une responsabilité au niveau des municipalités à créer des endroits pour récupérer correctement les déchets électroniques. On n'a pas d'éco-centre à Laval. Ça n'existe pas. On a des points de chute quelques fois par année. Donc, déjà, juste ça, de s'afficher à Laval comme municipalité verte, mais de ne pas avoir d'endroit pour récupérer les déchets électroniques, à mon sens, c'est un gros problème. Fait que déjà, juste résoudre ça, ce serait déjà une super étape. Et on parlait tout à l'heure de l'obsolescence programmée, mais on s'en va de plus en plus vers des télévisions 4K. Je pense qu'on peut tous collectivement se poser la question, a-t-on besoin de téléviseurs 4K? Est-ce que la définition de l'image qu'on voit sur nos téléviseurs en ce moment ne convient-elle pas déjà à tous? Donc, je m'arrêterai là, mais il y a d'autres pistes, mais... Je vais te laisser poursuivre, Christina. Bien, merci beaucoup pour ces réponses et cette participation au panel. Ça mettrait fin à la partie plus formelle du panel. Puis donc, Marianne, tu pourrais commencer à poser les questions du public. Certainement. Puis c'était extrêmement intéressant de vous entendre. Et c'était aussi... Tu l'as dit tantôt, Christina, là...
une grosse tonne de briques, justement, qu'on recevait en pleine face, justement, de découvrir, justement, ces impacts-là du numérique dans nos vies. Il y a eu plusieurs réactions, il y a aussi eu plusieurs autres questions. Une question justement qui a été posée par Liane, puis qui a peut-être, je ne pense pas l'avoir entendue justement dans les solutions. Liane disait, est-ce vrai qu'il est préférable de faire du ménage régulièrement de notre boîte courriel, mieux de détruire, et donc ainsi qu'il soit mieux de détruire les courriels non pertinents? Parce que moi aussi, tout comme elle, j'en connais des gens qui en ont des milliers de courriels dans leur boîte courriel. Est-ce que c'est le genre de petites choses qu'on peut faire pour... Est-ce que ça peut aider, ça? Caroline, tu as l'air de oui. Jouer le doigt. ça l'aide. C'est sûr que c'est pas là qu'on va aller chercher le plus de réduction d'impact, mais ça reste un geste qui compte. Donc, de faire le ménage dans nos courriels, mais peut-être, si on a moins de temps et d'énergie, aller cibler tout de suite les courriels qui sont lourds, qui ont des pièces jointes. Donc, déjà là, on fait une pierre deux coups. Ça m'amène à dire que de faire le ménage, oui, dans nos courriels, mais faire nos ménages sur nos réseaux sociaux, si on a une chaîne YouTube et tout ça, là, d'aller... quand on fait un voyage, on va aller mettre une vingtaine de photos pour que tout le monde puisse les voir, mais peut-être qu'un an après, c'est pas nécessaire de garder 20 photos de notre voyage, on peut peut-être en garder une. Donc, tu sais, il y a l'aspect de sobriété là-dedans qui est important. Puis, si je reviens au courriel, parce que j'ai une idée qui vient de me popper, nous, au travail, on a une politique là, en sobriété numérique, puis on a un moment... à notre agenda, on a une heure par mois où on fait le ménage de notre drive, de nos courriels, de que tout le monde, on va faire ce ménage-là, là, autant sur nos sites web et tout ça. Donc là, le fait de le mettre à notre horaire, ça nous le fait penser parce que oui, on va l'oublier, là, mais ça reste une sensibilisation collective là, au niveau du travail. Effectivement. Puis tu mentionnais tantôt justement les photos. Je suis coupable. Mon Google Photo regorge de quelques centaines de photos. Là aussi, justement, il y a beaucoup de les photos sont de plus en plus sur le numérique aussi. Lisa, tantôt, tu mentionnais avoir un disque dur externe. Ça peut être une belle solution. Est-ce que vous en auriez d'autres, des pistes de solutions par rapport à... Tu sais, on a parlé de la musique tantôt, on a parlé de vidéos... Pour les photos, avez-vous d'autres pistes d'idées, justement, qui seraient peut-être moins énergivores et plus éco-friendly par rapport à ça? Il y aurait réduire peut-être la qualité de l'image, là, avec surtout nos appareils photos maintenant qui sont à extra résolution. Puis moi, j'ai pas d'iPhone, là, mais c'est toutes des qualités exceptionnelles. Donc, si on a à le mettre sur les réseaux sociaux, on pourrait aller limiter tout de suite la dimension. C'est une autre façon d'aller... moins l'image, elle est pesante, moins il y aura d'impact, c'est sûr. C'est ce qui me vient en tête. Hein. Je reviens à l'idée du disque externe parce que comme ça, on n'a pas besoin d'aller sélectionner nos photos puis dire laquelle je voudrais garder en pleine résolution, laquelle je voudrais réduire. Si on n'est pas prêt à faire ce geste-là d'emblée réduire la qualité de toutes nos photos, d'avoir un disque externe localement ça, et de ne pas prendre pour habitude d'entreposer ces photos sur le cloud déjà en partant. Si on faisait tous ça, j'ai l'impression qu'il y aurait quand même une différence. Je n'ai pas les chiffres, là, mais je pense que ça peut être un geste qui pourrait compter aussi. Max, est-ce que je te vois hacher la tête? Est-ce que tu voulais réagir ou... Ouais, non, c'est vraiment ça que je pense aussi. Hein. Effectivement, on peut gagner un petit peu en diminuant la taille des images. Il y a parfois d'ailleurs des façons de réduire sans perdre vraiment la qualité. Donc ça, c'est assez intéressant. Et comme disait Caroline, hein, parfois nos appareils sont vraiment surdimensionnés et puis on n'a pas du tout besoin, on a un petit écran, on n'a pas besoin d'avoir une image en 4K. Mm-hmm. Et ça, c'est aussi vrai pour les vidéos. Mais je me méfie un petit peu des effets rebonds et je me dis que limiter comme ça notre taille des images, ça peut aussi nous encourager peut-être à en mettre plus ou à avoir conscience que c'est bon, on a fait notre part. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire de la sobriété et puis tout simplement moins en mettre. En tout cas,
tranche de vie personnelle, j'ai appris ce soir qu'on pouvait arrêter sur Facebook les vidéos qui partent tout seul et diminuer la qualité. Je me suis empressée d'aller le faire. Je descends mon fil d'actualité maintenant, justement, juste un petit peu pour arriver jusqu'à... C'est tellement agréable. Ouais. Ça fait moins de stimuli. C'est très... Merci. En tout cas, moi, vous avez changé ma vie ce soir. Mais ce serait vraiment encore mieux si Facebook mettait cette option par défaut. Quoi. C'est, ouais. C'est aussi que... Oui, effectivement. Les effets politiques et tout, là. Faudrait vraiment... Effectivement. C'est quand même assez simple à faire. En tout cas, si vous m'écrirez le monde si vous avez besoin d'aide, ça me fera plaisir. Il y avait aussi d'autres questions. Alexandre demandait, est-ce qu'il y en a des pays, des États, des municipalités qui ont adopté des réglementations qui sont inspirantes puis qui ont de l'impact, justement, en termes de sobriété numérique? Êtes-vous au fait de ça? Caroline, tu as l'air, tu fais non. Max, est-ce que tu as entendu parler de ton côté? Ça dépend de quel pays on parle. Il y a beaucoup de différences dans le monde. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a des pays, moi je me raccroche un peu au low-tech, qui sont souvent en Afrique, donc en voie de développement, c'est comme on dit. Et puis là, ça peut être des pays qui ont qui ont jamais vraiment connu justement le high-tech et l'Internet total. Et donc, ils vont mettre en place des solutions très, très sobres parce qu'ils n'ont pas de choix, ils sont dans la nécessité. Et oui. Il peut y avoir donc des internets qui sont désynchronisés. Donc, c'est vraiment, par exemple, des véhicules qui servent d'habitude au transport de gens qui vont transporter des points Wi-Fi de village en village. Et donc, comme ça, les gens, ils vont envoyer un courriel. Et puis, le jour d'après, quand la voiture repasse, ça réémet le signal. Et donc, ils vont recevoir la réponse, mais un jour après. Donc, c'est quand même assez amusant. Mais c'est des trucs qui sont par défaut ultra, ultra sobres. Hein. Donc, ça dépend de quel pays on parle. Si on parle de ce genre de pays, oui, de facto, ils ont des trucs vraiment intéressants. Mais est-ce qu'ils ont choisi, pas sûr. Après, des pays de l'OCDE, par exemple, qui auraient fait des mesures comme ça qui seraient vraiment impactantes, j'en ai pas trop entendu parler, pour être honnête. Je suis pas sûr que ça existe beaucoup, parce que malheureusement, les États, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal impuissants par rapport aux GAFAM. C'est plus vraiment eux qui choisissent. Hein, donc, on est un peu tous dans le même village monde sur Internet. Mais malheureusement, ce village est pas régi par la démocratie. J'ai regardé, j'ai fait une petite recherche très rapidement, là, puis je suis tout de suite tombée sur la ville de Lyon qui aurait fait récemment un bilan carbone de l'utilisation à l'interne de leurs ordinateurs, un peu le type de solution dont Caroline parlait tout à l'heure, puis qui leur a permis de faire un réajustement très rapidement, juste en faisant venir un consultant externe, une étude, puis dire « Ah, OK, nous, on veut lutter comme ville contre le réchauffement climatique, donc on va prendre le temps d'analyser déjà dans nos pratiques internes qu'est-ce qu'on peut améliorer. » Fait que je pense qu'il y a des villes, certainement, là, dans le monde qui l'ont fait. La ville de Lyon le fait, mais j'espère qu'elles seront de plus en plus nombreuses, puis que la ville de Laval va emboîter le pas aussi pour faire ce même travail. C'est un appel à tous qu'on lance. Let's go Laval, on est capable. Et toutes les autres villes du Québec et pourquoi pas du monde, il faut faire ça effectivement. Autre question pour vous. Il y a Thierry qui demande, pour les solutions, que pensez-vous de réduire la luminosité et le contraste de son écran? Bon, outre le fait que c'est bon pour les yeux, est-ce que ça a un impact, ça, de votre connaissance? Oui. Oui. Ben oui, c'est un des conseils qu'on donne au niveau des événements virtuels, là, de s'assurer d'avoir idéalement des fonds foncés. Là, c'est drôle parce que c'est ce matin là, sur Google, j'ai pu avoir l'option fond foncé, puis finalement ça se passe bien, mais c'est sûr que c'est au niveau de l'électricité de l'appareil, donc ça, on a moins besoin de lumière, donc ça dépense moins, donc ça reste une diminution d'impact, c'est minime, mais ça reste on va dire oui à tout rendu là. Tous les petits gestes comptent. C'est ça. Ouais, je pense que c'est plutôt au niveau des yeux, hein, que c'est vraiment important. Et c'est vrai que j'ai aussi vu des effets psychologiques. Depuis que j'ai passé mon Facebook en noir, j'ai moins envie d'y aller. C'est bête à dire, mais... Donc, peut-être que ça diminue mon impact. Finalement. Mais par contre, je ne suis pas certain que justement, le gain de l'écran fasse beaucoup. Mais ça, c'est l'effet psychologique, par contre, il me paraît pas mal. L'effet pour les yeux, en tout cas.
J'ai eu deux questions sur la 5G. Alors, je pense que j'ai pas le choix. Je vais vous adresser cet éléphant dans la pièce. Faut-il s'inquiéter de la 5G, de la multiplication des tours de transmission, de la multiplication des objets connectés, bien sûr, des milliards de téléphones 5G que les gens voudront se procurer? Qu'est-ce que vous en pensez de la 5G et de son impact environnemental? Je ne sais pas qui veut commencer, là. Je vous vois sourire. Tout le monde est comme... Ah. Je suis sûre que dans le fin fond de vous, vous trépignez à l'idée. T'es Lisa, vas-y, lance-toi, puis ensuite, je passe la poque aux autres. Ben, en fait, moi, je vous inviterais à aller voir le documentaire « La prison sans barreaux » d'Isabelle Ayer et Nicole Giguère sur les effets de la 5G sur le corps, sur notre vie et sur les humains. Mais je ne suis pas une spécialiste, donc je ne serais pas très à l'aise de répondre, mais j'inviterais les gens à aller voir ce documentaire-là pour ceux qui s'inquiètent là, des effets de la 5G. Voilà, ce sera mon commentaire. Je vais partager avec un immense plaisir, tu sais, la joie d'Internet quand même. Je vais partager avec plaisir le lien vers le film dans la zone de discussion aux gens. De votre côté, Caroline, par rapport à la 5G, qu'est-ce que tu aurais à m'en dire? J'ai pas grand-chose à dire. C'est quand même récent comme technologie que je ne connais pas beaucoup. Ce que j'ai entendu dire, c'est que pour l'instant, on est encore en période de transition. Donc oui, la technologie est là, mais pas vraiment implantée. Au niveau des applications cellulaires, les applications cellulaires sont toutes faites encore pour fonctionner bien avec le 4G. Donc, il va y avoir une période de transition qui va se faire éventuellement, qui, je crois, va être inévitable. Reste à savoir, est-ce que le 5G, c'est mieux que le 4G? Je crois que les paramètres sont différents l'un de l'autre. Donc, je ne pourrais pas dire est-ce que c'est mieux ou pas, là. De ton côté, Max? Ouais, c'est vrai que j'ai un point de vue assez tranché, hein, mais je suis quand même basé sur plusieurs lectures. J'aurais tendance à dire qu'il y a un peu un faux débat, dans le sens où la 5G parfois est soulevée par divers acteurs pour ses effets sur la santé, et soulevée aussi pour sa consommation énergétique. Mais pour moi, c'est un peu... J'ai l'impression que les promoteurs de la 5G jouent un petit peu paradoxalement sur ces aspects-là, pour les promouvoir dans le public, pour cacher le réel impact de la 5G. Parce que c'est pas vraiment le problème, en fait, que ça consomme de l'énergie ou les problèmes sur la santé, à mon avis, seront toujours totalement contradictoires ou pourront être démontés facilement, parce que la médecine, c'est quand même une science très compliquée. Et donc, ça les arrange bien qu'on parle de ces effets-là et pas d'autres. Mais la 5G, comme ça a été dit dans la question, le plus gros problème, hein, c'est que ça va nécessiter un remplacement de terminaux incroyable, gigantesque, démesuré et qui est vraiment problématique. Je reboucle toujours sur la même chose, hein, mais le fait qu'on remplace nos terminaux, ça, c'est vraiment la grosse partie de notre empreinte. Et donc, parce que voilà, pour utiliser la 5G, il faut, moi je peux pas le faire avec mon téléphone actuel, il faut avoir des nouvelles choses dedans pour pouvoir démoduler cette 5G, etc. Donc ça va pousser, tout le monde à remplacer le parc de téléphone qui existe déjà, le parc d'ordinateur, le parc de machin. Et donc, vous imaginez un petit peu les impacts. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'antennes qui vont devoir être implémentées, puisque c'est une technologie qui nécessite en fait d'avoir des antennes très proches les unes des autres, étant donné qu'on est à des très hautes fréquences, ça s'éteint assez vite. Et donc, c'est peut-être des centaines de mètres entre chaque antenne. Et donc là, les gens vont nous expliquer, oui, mais vous comprenez, on pourra les mettre par exemple sur les lampadaires, des choses qui existent déjà, donc il n'y aura pas non plus beaucoup de construction. Mais quand même, ça prend beaucoup de matériaux de faire toutes ces antennes. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Et puis le problème majeur pour moi, c'est, encore une fois, si vous vous rappelez du trafic que je montrais au début, on va vraiment multiplier ce trafic par un facteur encore plus grand. Donc on va consommer encore plus de données, on va passer, je ne sais pas, à des puissances de 10 qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en physique, hein, au-delà du zeta, là. Et donc, c'est vraiment ça le problème, c'est que ce monde numérique continue son exponentielle plus, sans jamais s'arrêter. Et surtout, ces acteurs-là qui promeuvent la 5G nous font toujours miroiter. Oui, mais vous allez voir que la 5G, ça va vraiment être bien, on va vraiment atteindre un palier où on va être bien. Puis après... On s'arrête presque. Mais non, en fait, la 6G est déjà en,
en réflexion dans les laboratoires. Et donc, finalement, ils vont s'arrêter quand ? Les 6G, les 7G, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça aussi la question derrière tout ça. Donc, il y a pas mal de faux débats autour de la 5G. Et le plus important, c'est un peu de replacer les enjeux qui sont derrière. Parce que cette consommation de données va aussi avoir des impacts sociétaux énormes. D'être toujours encore plus devant les écrans, de partager encore plus de données à travers notre vie privée, par exemple, qui va être encore plus exposée, qui va être encore plus partagée sur le cloud, etc. etc. Des gens qui seront encore plus isolés derrière leurs écrans. Donc, on peut aussi parler de ça. Hein, donc, voilà, il y a tout ça. C'est tout un monde en fait, qui progresse derrière. Il faut savoir que la 5G, c'est aussi... ce qui va permettre l'Internet des objets, donc de connecter n'importe quel objet finalement en mode intelligent avec le réseau global Internet, etc. etc. C'est un peu aussi ce qui va promouvoir des flottes de satellites hein, qui vont être déployées dans le ciel et qui vont donner de la haute vitesse pour tous et qui vont remplacer bientôt les étoiles qu'on voit dans le ciel. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont quand même tout un paradigme aussi de Smart City, hein, la ville intelligente qui va soi-disant révolutionner notre consommation d'énergie en optimisant tout et rien. Donc, c'est finalement questionner la 5G, c'est questionner tout ce paradigme de Internet des objets, ville intelligente, etc. etc. C'est pas juste la 5G. Donc, c'est pour ça que c'est un peu le brouillard derrière lequel avancent ceux qui promeuvent la 5G. Donc, il faut faire un petit peu attention et de corriger un peu tout ça. Et de voir qu'on est vraiment dans un paradigme, un changement de paradigme. Ce n'est pas du tout juste un aspect technique. De là l'importance d'amener une régulation aussi, de tenter, quand on parle des forfaits illimités, si on passe à la 5G et que tout le monde a des forfaits illimités de données, où est-ce qu'on va en arriver en termes de statistiques, si on pense au tableau que Caroline a montré au tout début, est-ce qu'on a vraiment besoin collectivement de la 5G? Est-ce qu'on a vraiment besoin collectivement de télévision 4K? Jusqu'où on a besoin d'aller dans cette folie de la consommation et du toujours mieux, toujours plus? Il y a peut-être un moment où il faut que ce soit les municipalités, les États qui légifèrent, puis qui mettent des balises aux fournisseurs, qui mettent des balises à ceux qui nous vendent ces produits-là aussi pour que ça cesse à un moment donné, ce toujours plus. Quand Max disait que la 6G est déjà en route, effectivement. Jusqu'où on va aller, une question à se poser. Ça va nous prendre une simplicité volontaire du numérique bientôt. Une dernière petite et très rapidement question parce que l'heure avance, puis c'est extrêmement intéressant et Dieu sait que justement les commentaires abondent justement en lien avec le panel de ce soir. C'était très, très intéressant. Baguette magique. Ça serait quoi votre vœu, là, justement, pour l'avenir? Là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, ce numérique-là? Là? Lisa, tiens. Ben, en fait, moi, mon vœu, c'est vraiment qu'on aille tous tranquillement vers une sobriété numérique, mais une sobriété dans la consommation au sens large aussi. Là. Je pense qu'on est dans une démesure en ce moment, puis qu'on a besoin pour l'avenir de la planète de tous réfléchir à nos habitudes personnelles. Déjà, ça serait ça. Puis de militer, comme Max le mentionnait, comme son groupe le fait aussi, pour qu'il y ait des changements au niveau de la réglementation, pour qu'on ait des municipalités engagées à l'égard de l'environnement, qui posent des gestes concrets. Ma baguette magique engloberait tout ça, si ça se peut. J'aimerais bien, en tout cas. Caroline, de ton côté? Bien, ça l'englobe. Je suis d'accord avec toi, Lisa. Oui, la sobriété numérique, là, c'est vraiment... la clé. Puis j'aime beaucoup l'idée de qu'on reste informé. Tu sais, ça évolue beaucoup. Fait que je crois que c'est notre responsabilité de rester informé, de rester alerte, puis d'amener ces éléments-là dans l'éducation dès le plus jeune âge, parce que là, nos enfants grandissent avec ça. D'intégrer la sobriété numérique, l'éco-conception dans les programmes au cégep, à l'université. Ça devrait, tout ce qui est en lien avec le développement durable, là, devrait faire partie de tous les corps de métier dès la formation, dès le primaire, dès le secondaire. Donc, c'est sûr qu'il faut rester informé pour pouvoir, il faut savoir pour pouvoir agir. Là. Donc, je crois que ce serait important.
Merci Caroline. Max, de ton côté? Ouais, ben je suis vraiment d'accord sur l'éducation. Moi, ce serait vraiment aussi mon credo de dire qu'il faut jouer là-dessus, dans le sens où j'ai l'impression que la sobriété, c'est un vœu qui est super intéressant, mais qui peut vraiment être appliqué si les gens ont vraiment conscience de ce qu'il y a derrière le numérique. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. Je me rends compte que je ne veux pas, par exemple, renouveler mon téléphone, surtout parce que je sais ce qui va se passer dans sa fabrication et dans sa fin de vie. Quoi. Donc, c'est vrai que si les gens avaient autant la réalité des chiffres en tête, peut-être qu'ils feraient beaucoup moins d'usages comme ça délétères. Et l'autre côté éducation, c'est aussi d'essayer de stopper un peu la pente savonneuse sur laquelle on est en train de s'engager, parce que on a quand même quelque chose qui est très très problématique à mon sens. On a mentionné tout à l'heure les jeunes, et c'est vraiment ça qui me paraît être la clé de voûte, dans le sens où c'est vrai que les jeunes maintenant rentrent dans le monde numérique direct, et on rentre dedans un peu forcé, hein, finalement. On leur met tout de suite des iPads dans les mains, des choses comme ça. Ça me paraît vraiment, vraiment problématique, parce que ça les habitue à ce monde numérique comme si c'était quelque chose qui allait de soi, comme si le monde, c'était finalement, c'était partie du monde, alors que non, c'est quelque chose quand même de très récent, c'est quelque chose de très spécifique. Et ça les habitue vraiment à utiliser ce genre d'objet rendu indispensable. Donc, il faut aussi lutter contre ça, à mon avis. Éduquer peut-être les parents, et puis en même temps les enfants, de limiter le contenu numérique dès le plus jeune âge. Et ça passe aussi par les lois, parce que malheureusement, il me semble que le gouvernement du Québec, comme les autres gouvernements, a eu la bonne idée de dire il faut éduquer les jeunes au numérique le plus tôt possible, il faut leur apprendre à envoyer des pièces jointes. Parfois, à 12 ans, on t'apprend à envoyer une pièce jointe par courriel. Ça ne me semble pas du tout pertinent, parce que c'est quelque chose qui est très facile, que les jeunes vont de toute façon savoir faire, parce qu'ils ont leurs amis qui jouent aussi à des jeux en ligne. Donc voilà, c'est pas des trucs qui vont leur apprendre grand-chose. Et on ferait mieux leur apprendre peut-être des métiers manuels. Voilà, donc il y a plusieurs facettes de l'éducation. C'est d'abord lutter contre le tout numérique et puis l'omniprésence des écrans dans les mains des enfants. Et puis aussi à côté, cultiver un peu le non-numérique, hein, donc leur faire des choses manuelles, etc. Et puis éduquer les adultes en faisant ce genre de soirée, hein, où on décortique un petit peu les chiffres. Merci beaucoup, beaucoup à tous les trois. Il y a plusieurs commentaires que je me ferai un immense plaisir de vous lire tout à l'heure lorsqu'on sera à conférence fermée, mais merci du fond du cœur, c'est extrêmement intéressant. Alors, ça conclut la partie questions citoyennes. Donc, ça va être la fin en tant que telle de cette activité. Donc, je tiens à remercier chaleureusement nos panélistes. Donc, merci à Marc Messard de l'Hôtel Lab Montréal, Caroline Larocque du Conseil québécois des événements éco-responsables, Elisa Friseau, artiste en art numérique. Donc, merci également à vous, chers citoyens, qui avez pris part à cette activité, que ce soit par votre écoute active, vos questions, commentaires ou réflexions. Merci également à Marianne pour avoir géré les questions. Donc, Laval en transition ne pourra aller de l'avant dans ses nombreux projets sans l'engagement des citoyens et citoyennes, de qui proviennent d'ailleurs plusieurs initiatives. Que ce soit en temps, en partage d'expertise ou monétairement, chaque contribution est vitale pour le développement de notre mouvement. Donc, pour rejoindre la communauté de Lavalois et Lavaloise en transition, si vous souhaitez vous impliquer ou contribuer, visitez le site web lavalentransition.org ou rendez-vous sur Facebook, je comprends l'ironie, à Lavalois en transition. Tous les liens sont collés dans la zone de conversation et vous seront également envoyés avec le sondage pour connaître vos impressions sur l'activité. Sinon, nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine activité le 3 mars à 19h pour notre activité qui s'intéressera à l'éco-rénovation et à comment nos maisons peuvent faire leur part pour l'environnement. Aussi, ne manquez pas notre activité participative Remue Ménage sur le thème de la consommation responsable qui se tiendra le 2 mars à 19h. C'est gratuit. Nous avons également une autre activité participative et gratuite du 6 mars, des 10 heures pour construire un meilleur avenir à Laval et passer de l'idée à l'action. Donc, tous les renseignements sont sur le site web effettransition.ca et Marianne devrait avoir ajouté le lien probablement maintenant dans le chat. Donc, encore une fois, merci à tous
et au plaisir de vous compter parmi nous lors de nos prochaines activités.